Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, dans une ambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle émission que nous vous proposons, puisque notre invité, c'est Monsieur Arnaud de Chicourt. Arnaud, comment vas-tu ? Eh bien, merci Pascal, je vais bien. Content de participer à cette émission. Voilà, je pense qu'on va passer un petit moment intéressant, riche en découvertes et en expérimentation scientifique, et puis de manière plus large, l'approche du magnétisme de manière générale. Oui, parce que si vous ne connaissez pas Arnaud de Chicourt, sachez qu'effectivement, nous allons parler de magnétisme. Et quand on parle de magnétisme, vous comprenez bien sûr, que nous ne pouvions pas faire cette émission sans Sylvain Perriola, qui va même piloter cette émission. C'est sa première émission en solo. Moi, aujourd'hui, je suis en détente. Sylvain, comment vas-tu ? Très bien, merci Pascal, merci Arnaud d'avoir accepté notre invitation. Grand merci. Donc voilà, ça nous fait très plaisir d'aborder le magnétisme sous l'angle scientifique, l'épreuve scientifique. Arnaud, donc tu es magnétiseur, en région parisienne depuis une trentaine d'années. À la fois, tu fais des consultations et tu as un centre de formation. Tu as publié plusieurs livres et en particulier, c'est le dernier livre qui a retenu mon attention, « Magnétisme et santé, l'épreuve scientifique ». Chez Symbiose Éditions, qui est paru au mois de mars. Voilà, donc c'est un livre riche, c'est un livre dense, c'est un livre généreux, c'est un livre qui explique beaucoup de choses à la fois sur le magnétisme, son histoire, sa définition, et sur l'épreuve scientifique, et en particulier les expérimentations que tu as pu mener. Donc cette émission sera en plusieurs parties. On espère vraiment vous donner envie de lire le livre d'Arnaud, hein, qui... donne des détails, des informations, des exemples à la fois d'expériences et d'études scientifiques, des études scientifiques de haut niveau, hein, des études randomisées, contrôlées, double aveugle. Oui, ça existe, en particulier aux États-Unis. Voilà, donc Arnaud, si tu le veux bien, on va commencer d'abord par ton parcours, tout simplement. Donc, tu as d'abord eu une carrière dans la danse, en tant que danseur, chorégraphe, professeur de danse aussi. Comment es-tu devenu magnétiseur ? Dans quelles circonstances cette reconversion s'est-elle passée et quelle était ta motivation ? Alors, pour la petite parenthèse de la carrière artistique, effectivement, au préalable, j'étais aussi pratiquant d'arts martiaux. Et à l'âge de 12 ans, dans mon club de karaté local, à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, j'ai eu une entorse suite à un combat, et puis une petite entorse, hein, mais qui faisait quand même très très mal. Et puis mon enseignant, mon maître de karaté, m'a pratiqué une imposition des mains à distance, environ 3-4 cm des malléoles. Et puis j'ai vu mon entorse se résorber, et puis plus de douleur. Et puis au bout, ça a duré peut-être 5 minutes, 3-4, 5 minutes, et j'ai été complètement, électrisé. Voilà, c'est le mot que je vais dire. Certains parlent de révélation, et je me suis dit, mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, avec ses seules mains, alors que je suis quand même à la base d'une famille dans l'allopathie, pour nous, dès qu'il y avait un problème de santé, c'est le médecin. Et là, j'ai vu clairement qu'avec une notion d'énergie, il s'était produit un phénomène de guérison, de santé, sur ma cheville. Voilà, ça a été ma première révélation, ma première découverte avec cette notion d'énergie dont je n'avais jamais vraiment entendu parler avant. Alors, le professeur De Robert donne une définition du magnétisme. Hein. Il l'a défini comme un agent d'une espèce particulière transmis par l'intermédiaire d'un magnétiseur, un fluide passant au travers des doigts et des mains. Alors, comment toi définis-tu le magnétisme et pour quel problème le magnétisme est-il efficace ? Et est-il possible aussi de traiter toutes les maladies avec le magnétisme ? Alors, cette définition du professeur De Robert est juste, hein, très juste. Moi, je ne savais pas du tout que cet intérêt pour le magnétisme, qui s'est développé un peu comme un cheminement au fil des années, en passant de « je n'y connais rien » et je découvre qu'effectivement, avec les mains, il y a une capacité à pouvoir, une action de santé sur le corps, j'ai entamé après un processus en tant qu'autodidacte pour mieux comprendre les principes biologiques qui animaient le corps humain. Petit détail, c'est que lorsqu'il avait mis ses mains sur ma malléole, je ressentais dans ma cheville comme un petit fourmillement électrique, c'est comme ça que je pourrais l'appeler, un petit fourmillement électrique. Et j'avais ensuite posé la question, est-ce que les mains sont capables de produire une activité électrique
Voilà, et en fait, personne n'avait de réponse, le médecin de famille n'avait pas de réponse sur cette question-là. Le cœur produisait de l'électricité, et ça c'était connu, le cerveau produit de l'électricité, c'était connu, mais en revanche, sur les mains, il n'y avait aucune donnée. J'ai aussi ensuite, au fil des années, posé des questions à des ingénieurs, des F, que je croisais dans la rue lorsqu'il y avait des réparations. Je leur posais la question, ils me disaient, on ne sait pas, donc, je ne peux pas te répondre à cette question, je ne sais pas, voilà. Et donc, j'ai donc décidé d'investiguer tout seul, parce que je suis un petit peu je suis rationnel, mais je suis aussi un petit peu inconscient, d'explorer les domaines de la physique, de la biologie moléculaire, parce que entre le moment où j'ai commencé à m'installer en tant que professionnel, et le moment où j'ai pu, avec des centaines de fiches sur des malades, pu constater qu'il y avait des cas que l'on pouvait traiter et d'autres que l'on ne pouvait pas traiter, et que ce soit moi ou mes collègues, on avait le même problème de pouvoir traiter certaines pathologies, par exemple la cataracte. Cataracte, c'est quasiment impossible à soigner pour un magnétiseur, quel qu'il soit. Donc moi, au début, je n'étais pas du tout convaincu de cette incapacité, et je pensais que d'autres magnétiseurs avaient plus de puissance que moi, avaient peut-être des techniques supérieures aux miennes, et donc je recommandais mes clientes, notamment, à ces magnétiseurs. Et ensuite, quand je prenais des nouvelles d'elles au bout de 2-3 mois, elles avaient toujours leur cataracte. En revanche, je n'ai pas de retour du magnétiseur qui ne m'a pas informé du tout qu'il n'avait pas réussi à soigner. Voilà, et donc, sur plusieurs types de pathologies, j'ai découvert qu'il y avait une symétrie, ça peut être le vitiligo aussi, d'autres maladies d'origine neuropathique, par exemple, c'est très compliqué, le taux de réussite, il est quasiment infime. Hein. Donc, on ne peut pas prétendre dire qu'on va soigner ce type de pathologie. Voilà. Donc, je me suis intéressé à l'électrobiologie, et puis, j'ai fait une grosse investigation, alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, peut-être un peu prématuré. Bon, alors, pour répondre à ta question, Sylvain, pour l'instant, on ne peut pas tout guérir, on a un champ d'action qui est limité, mais qui est quand même assez vaste. Les problèmes de peau, les problèmes musculaires, les problèmes du système nerveux central, les problèmes osseux, notre champ, les lombalgies, les cervicalgies par exemple, notre champ d'investigation est quand même assez large. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire quand même. Si on peut se passer de chimie ou de médicaments ou autre et simplement utiliser une énergie telle qu'elle soit du corps, du guérisseur, c'est quand même, ce serait vraiment un vrai progrès médical quand même. Voilà, d'autant qu'on voit que le magnétisme, en effet, agit sur les douleurs, hein, beaucoup à ce niveau-là. Donc, on voit que le magnétisme, c'est une pratique énergétique, hein, par imposition des mains, et elle semble très répandue dans d'autres pays, dans d'autres traditions. Tu en as évoqué une. Alors, quel nom prend le magnétisme dans d'autres pays? Comment est-il considéré aussi dans ces pays, par exemple en Asie ou aux États-Unis? Et en Europe et en France, quelle est la situation du magnétisme? Alors, concernant, j'ai bien sûr j'ai fait une investigation, comme souvent d'enquête journalistique, pour comprendre effectivement quelles étaient les différentes appréciations culturelles, philosophique et culturelle sur l'imposition des mains sur différents continents. Et puis, j'ai donc été voir du côté des Égyptiens, puisque c'est la civilisation considérée comme étant la plus ancienne, et que les Égyptiens pratiquaient l'imposition des mains et que leur théorie était reliée à une forme de cosmogonie, même pas une forme, c'est une cosmogonie, avec la croyance que le soleil était le créateur de toute vie. Et donc, leur vénération au dieu soleil était l'équivalent d'une portée religieuse que l'on peut avoir aussi pour la foi, la religion. C'était une déification d'un astre, le dieu soleil, Amon-Ra, et ils considéraient que puisque ce dieu vivant est cosmogonique, qui engendre toute vie, Gonen, du grec Gonen, qui engendre toute vie, pouvait aussi engendrer des effets de santé. Et donc, ils pratiquaient l'imposition des mains. Il y a eu des papyrus qui ont été retrouvés, qui datent, je crois, de 1500 avant Jésus-Christ, où on voit des prêtres égyptiens faire des impositions de mains au niveau de la nuque et du sommet du crâne, et clairement dessiné sur ces papyrus, hein, je crois qu'il est au musée du Caire, papyrus Ebers, où on voit des rayons de soleil qui sont stylisés graphiquement et qui viennent comme des rayons solaires frapper la paume de la main et qui sont orientés sur le corps du sujet malade. Donc, la question de la culture chez les Égyptiens, c'est la croyance dans le dieu soleil et qui serait porteur d'une forme d'énergie qui aurait la capacité de guérir le corps humain. Donc, eux, leur croyance, c'est le dieu soleil et qui va leur donner cette compétence à pouvoir soigner. Après, j'ai été voir du côté de l'Asie. Là, j'avais un peu plus de connaissances parce qu'en pratiquant les arts martiaux, je m'intéressais beaucoup à ce qu'ils appellent le chi,
Alors, j'avais beaucoup d'explications sur le chi, mais je ne comprenais jamais rien à ce que pouvait être le chi. On nous disait, concentre-toi sur ton abdomen, au niveau du hara, et puis ressens le chi. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal à ressentir le chi, mais je me suis intéressé quand même à cette notion parce que il y avait déjà une espèce de cartographie, une forme d'ingénierie de la circulation des énergies dans le corps à travers la notion des méridiens. Et je me suis dit, tiens, là, ça me parle parce que déjà, ça rejoint un niveau un peu plus rationnel où effectivement, on peut peut-être diriger une énergie, même si moi, je ne la ressentais pas à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, etc., qui peut représenter déjà un début d'hypothèse sur la fonction de l'énergie. Et donc, j'ai découvert qu'en Asie, leur conception culturelle était, elle, non pas reliée au dieu soleil, en quelque sorte, parce qu'eux, ils considèrent au niveau philosophique que l'être humain, dans le confucianisme, hein, l'origine de la conception taoïste, l'être humain est, lui, un point dans l'univers, et que l'univers est en lui, et inversement. Donc, c'est une conception philosophique qui va aussi donner naissance à une vision différente de la médecine, où l'être humain est un tout, et ce tout se concentre aussi en lui. Voilà, ça, c'est la vision philosophique asiatique. Et donc, ils parlent de chi, et ils identifient trois chi. Le chi de l'air, donc l'énergie de l'air, donc de l'oxygène, on pourrait dire l'oxygène. Le chi des aliments, donc avoir de l'énergie par les aliments. Et c'est pour ça que la médecine traditionnelle chinoise fait référence aux trois chi, l'air, les aliments. Et le troisième, c'est le... et il va m'échapper, bien sûr. Le troisième, c'est la respiration. La respiration. Et donc... Non, pardon, les reins. Donc, les reins, dans les reins, ils considèrent que le niveau des reins est la zone énergétique qui est condensée et qui fait référence au stade supérieur de l'enfantement, à savoir du père et de la mère, et que chaque être humain est le réceptacle au niveau des reins de l'énergie et du père et de la mère. Et que cette accumulation d'énergie au niveau des reins va produire une dimension un peu plus supérieure à chaque génération qui va passer, étant nourrie de ces deux concepts. Alors, et ils pratiquent l'imposition des mains, dans le Qigong, par exemple, qui est la première médecine millénaire énergétique, hein, il y a l'imposition des mains, ils appellent ça, lorsqu'ils pratiquent l'énergie à distance, le Fa, la projection de l'énergie. Pendant plusieurs années, ils travaillent dans leur conception quand même matérialiste aussi, sur eux-mêmes. Donc, ils apprennent à diriger l'énergie sur leurs organes. Il y a beaucoup de médecins en Chine, c'est une médecine officielle, qui pratiquent la maîtrise du Qi. Et ils travaillent d'abord sur leurs organes pendant un certain nombre d'années pour diriger l'énergie sur leurs organes. Et puis ensuite, au bout de 3 ans, je crois, ensuite, ils vont pratiquer la projection de l'énergie avec le mental et puis le Qi de l'air. Voilà, ça, c'est dans leur conception. Mais il y a aussi l'imposition des mains, qui, entre guillemets, il magnétise, il projette le chi avec les yeux, et aussi avec les mains, ce qu'on retrouvera aussi après en Occident plus tard. Mais voilà, il y a donc la même pratique d'imposition des mains, comme les Égyptiens, mais avec une conception différente. Après, en Occident, c'est avec le docteur Mesmer, hein, qui a été l'initiateur de la pratique du magnétisme, le grand développeur aussi de l'hypnose. Il est souvent décrié dans les livres historiques comme étant un mystique, un fou, un illuminé et un charlatan, alors qu'il était un pur scientifique et un grand esprit de son époque. Et il s'était intéressé effectivement au magnétisme, à l'hypnose d'abord, et c'est lui qui a dépouillé toute l'hypnose de tout le mysticisme qui entourait l'hypnose. Donc il a vraiment permis à l'hypnose d'avoir, entre guillemets, ses lettres de noblesse aujourd'hui, puisque maintenant l'hypnose est enseignée en milieu médical. Et ça, on oublie de le dire dans les livres historiques, c'est qu'il a quand même dépoussiéré l'hypnose de pratiques mystiques, religieuse, et ce serait bien de lui rendre hommage d'ailleurs pour cette découverte. Et ensuite, il s'intéresse bien sûr au magnétisme, et l'hypnose et le magnétisme du XVIIe siècle étaient deux disciplines qui étaient associées. Ils étaient complètement associés, donc les médecins pratiquaient à la fois l'hypnose et pratiquaient aussi le magnétisme. Jusqu'à ce qu'arrive la commission. Alors lui, il n'a pas une notion Mesmer avec le dieu soleil, il n'a pas une notion non plus asiatique avec le chi de l'air, le chi des aliments, le chi des reins. Lui, sa conception, c'est que c'est une force qui est dans le cosmos, comme l'éther, une force qui correspond à l'éther, et qui entoure toute partie vivante, chaque être humain, chaque animal, voilà, qui est omniprésente, et qu'il est possible de capter par des aimants. Lui, il avait conçu des barres d'aimants avec lesquelles il prétendait pouvoir capter cette énergie cosmique, et il dirigeait ces barres d'aimants dans les baquets de Mesmer, par exemple, pour
concentrer cette énergie cosmique qui produisait des effets de tremblement, de convulsion, de convulsion hystérique, aujourd'hui, ou histrionique, on dirait aujourd'hui maintenant histrionique, mais il produisait des convulsions, donc les crises mesmériennes, et ensuite les guérisons apparaissaient. Donc il a fait des milliers et des milliers de guérisons, mais sa conception était différente, il pratiquait aussi l'imposition des mains, était différente des Égyptiens, des Asiatiques, et puis voilà, il avait sa propre conception. Mais le point commun de toutes ces disciplines, en fait, moi c'est ce que j'ai observé, c'est qu'ils utilisent les mains, c'est-à-dire qu'ils mettent les mains, ils vont utiliser les mains. Donc quelle que soit la croyance ou le niveau de croyance que l'on peut avoir, le point commun majoritairement est que ce sont les mains qui sont utilisées. Voilà, donc je retiens ça, on va développer ensuite un peu plus loin. Oui, on va voir maintenant les premières démarches que tu as entamées. Donc vraiment, là on le voit pendant l'interview et dans ton livre, donc tu montres une grande curiosité vraiment scientifique et rationnelle pour expliquer le fonctionnement du magnétisme. D'ailleurs, le sous-titre de ton livre est « Les preuves scientifiques ». Donc comment est née chez toi cette envie de connaître et pourrais-tu nous donner des exemples d'expériences que toi-même tu as réalisées, des petites expériences, et quelles conclusions en as-tu tirées au niveau de l'activité magnétique, justement ? Ouais. Alors, je sais que le fait que moi, j'annonce en quelque sorte un aspect scientifique avec les mains, que je ne me fais pas que des amis dans ce domaine-là, parce qu'effectivement... il y a des gens qui sont très croyants. Moi, je ne touche pas aux croyances. Hein. C'est de l'ordre du sacré, c'est de l'ordre de l'intime. Je ne touche pas à ça du tout. Mais je me dis qu'il ne faut pas non plus faire l'économie d'une physique de biologie moléculaire qui existe. Au moins, être capable de pouvoir l'évaluer, est-ce qu'elle a une action ou pas, mais ne pas faire l'économie de cette activité de nature électromagnétique pour en arriver à des conclusions qui seraient fausses, ou qui serait en deçà de la croyance qu'on peut soi-même avoir. Parce que dans tout domaine, il y a des effets qui sont positifs et puis des effets qui sont délétères. Donc, même dans la foi, la croyance aussi, ça peut produire des bons effets comme ça peut produire aussi des mauvais effets. Donc là, il s'agit d'avoir aussi un petit esprit critique, parce que là, nous, ce n'est pas un jeu, on travaille avec des gens qui sont malades. Donc, on ne joue pas avec la maladie, on ne joue pas avec les gens malades. Au moins, lorsqu'ils viennent nous voir, il ne faut pas que la maladie qu'ils ont puisse être empirée. Au minimum, moi, je reçois les gens comme si c'était ma fille, mon père, ma mère, les gens qui me sont le plus sacrés. Chaque personne qui franchit la porte est la personne la plus sacrée. Et au minimum, il ne faut pas qu'elle ait le moindre amplification, en quelque sorte, de sa pathologie. Ça peut être le cas pour les épileptiques, par exemple. L'épilepsie est une pathologie qui se développe principalement avec une hyperactivité du système nerveux. D'ailleurs, elle est traitée, l'épilepsie, à l'hôpital de la Riboisière avec des chocs électriques, hein, ce qu'on appelle l'électrophysiologie médicale, avec de l'électricité. Mais là, c'est de l'électricité qui est dosée, qui est millivoltée. Mais on peut déclencher une crise d'épilepsie à un épileptique. Donc moi, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là, parce que j'ai déjà vu dans mon expérience passée, avant que j'aie toutes ces connaissances, des crises d'épilepsie être déclenchées. Ben, je peux vous dire, ça fait très très peur. Et puis la personne aussi peut avoir un accident, et ça peut être votre papa, ça peut être maman, ça peut être votre fille. Voilà, c'est juste pas possible, quoi. Donc, il faut être très vigilant. Donc là, au niveau scientifique, justement, il peut y avoir un début d'explication. On dit souvent, d'ailleurs, parce que même ceux qui sont très religieux vont dire, par exemple, « Oui, mais avec les mains, il ne faut pas magnétiser quelqu'un qui a un pacemaker. Ben, » pourquoi? Là, on sent qu'il y a déjà un petit décalage entre la foi et puis la science. Pourquoi un pacemaker poserait un problème? Parce qu'on met les mains et parce qu'on a une activité. J'ai amené mon appareil, on va le vérifier ensemble aussi. On émet une activité en millivoltage et que cette activité en millivoltage peut faire interaction avec une pile de pacemakers et que ça peut provoquer peut-être une défibrillisation. Enfin, là, je ne suis pas un spécialiste du cœur, mais je sais que de manière traditionnelle, on évite de mettre les mains sur les zones cardiaques, surtout pour les gens qui ont des pacemakers. Voilà, c'est deux exemples hein, que je cite, mais qui parlent aussi du niveau rationnel sur lequel il est intéressé de se pencher, et à travers ce que je propose dans le cadre de votre petite conférence. Est-ce que tu peux nous donner un exemple des petites expériences? Alors, pas la mesure de la bioélectricité, mais d'abord les petites expériences qui t'ont mis sur la voie. Alors, moi, au début, j'ai voulu mettre au point des expérimentations rationnelles. Donc, je me suis investi dans de nombreux ouvrages de magnétisme qui dataient du XVIIe siècle, XVIIIe siècle.
La Clavaron du Potay, Mesmer, de Ségur. Et puis j'ai découvert qu'il y avait des expérimentations, le professeur Rocard aussi, hein, lui qui a fait beaucoup de recherches dans le domaine du magnétisme. Et je me suis dit, mais si on arrive à démontrer avec les mains au moins des effets qui sont, comme le dirait la science, reproductibles avec les mains, ce serait déjà un commencement de preuve de l'efficience de ce que les mains rayonnent. Le mot rayonnement, c'est aussi un mot-clé, on y reviendra plus tard. Ce que les mains rayonnent. Ils ont commencé sur des graines de soja. J'ai tout essayé, des graines de lentilles. Les graines de lentilles, ça ne pousse pas très vite. Donc, on passe beaucoup de temps à magnétiser avant de constater des effets. Il y en a, hein, mais c'est beaucoup plus long. J'ai découvert que la graine de soja pousse très, très vite. Alors, avec des graines de soja, en prenant une petite soucoupe, et puis en mettant les mains, et donc au fond de la soucoupe, un coton avec l'équivalent, on va dire 20 graines de soja, issues du même, du même milieu, d'un même sac de graines de soja. On en met une vingtaine dans une autre coupelle, avec de l'eau, on humidifie le coton avec de l'eau. Et puis, on se met assez à distance, à environ 2,50 m, 3 m, de chaque coupelle. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des gens qui vont faire cette expérimentation-là et qui vont constater que les graines de soja poussent exactement avec la même intensité et ne remarquent pas de différence. Parce qu'en fait, leur corps rayonne d'un champ de nature électromagnétique et ça va aussi faire pousser les graines. Ils vont dire, bah, finalement, non, les mains ne produisent pas d'effet de croissance des végétaux. Mais c'est parce que justement, ils sont trop proches. Il faut qu'ils mettent vraiment à 2,50 m, 3 m ces graines de soja. Et là, on voit, lorsqu'on fait ça, j'ai fait ça des centaines et centaines de fois, on voit à chaque fois des différences, mais qui sont de l'ordre de 20, 15 cm, 20 cm, selon les lots de graines qu'on peut avoir, mais c'est quasiment du 100%. Alors, je me suis dit, peut-être que moi, j'ai une propriété particulière, peut-être que j'ai un don, parce qu'au début, je croyais que j'avais un don, peut-être que je suis un élu, au début, je croyais que j'étais un élu, mais en fait, pas du tout. Et donc, j'ai demandé à des stagiaires, même des gens de ma famille, de faire ces expérimentations-là, eux aussi. Eh bien, de manière systématique, lorsqu'ils respectent les conditions, ils observent effectivement qu'il y a une augmentation de la vitesse de croissance, de germination, de manière incontestable et par qui que ce soit. J'ai eu pour anecdote un jour une amie qui voulait apprendre le magnétisme et qui était très... Elle se disait, oui, mais moi, c'est pas... Toi, tu peux, mais moi, je peux pas. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Hein. Et je lui ai dit de faire cette expérimentation. Et puis, elle me dit, tu vois, Arnaud, j'ai essayé chez moi, mais ça a échoué. Et, je sais pas, mon intuition me dit, elle a peut-être pas dû respecter bien le protocole. Et je lui dis, mais est-ce que tu as mis de l'eau? Et elle me dit, bah, ah non, c'est vrai, j'ai oublié, je n'ai pas mis d'eau. Donc, elle ne pouvait rien faire, germer du tout. Mais au niveau psychologique, j'ai compris que, comme elle n'était pas sûre d'elle, qu'elle n'avait pas confiance, qu'elle avait voulu se confirmer le fait qu'elle ne pouvait pas faire croître des graines. Voilà, pour l'anecdote. Hein. Il faut quand même les nourrir. Voilà, il faut quand même les nourrir. Voilà. Un minimum d'eau, c'est, voilà, il y a un peu de lumière, c'est le minimum. C'est comme les poissons. Les poissons, j'arrive pas à les garder. Mais est-ce que tu les mets dans un aquarium? Ah non, vas-y, d'autres pour ça. Voilà, donc après ces petites expériences, un jour, tu as fait une grande découverte hein, sur l'activité électrique des mains. Est-ce que tu pourrais donc nous partager les conditions de cette découverte, hein, vraiment qui fait un pont entre la biologie et les lois de la physique? Comment as-tu fait cette mesure et quelles conclusions importantes tu en as tirées? Alors moi, obsédé, quand j'ai vu que ça fonctionnait très bien, qu'il y avait des résultats qui étaient reproductibles sur les graines de cresson, etc. Et puis, au passage, je voudrais citer aussi notre ami Jean-Marie Le Gall, qui est magnétiseur, et qui, lorsque je suis passé à TF1 pour les résultats de l'expérimentation, m'a gentiment appelé et m'a dit, voilà, moi, vous savez que j'ai fait aussi des expérimentations en 1984 sur des graines de cresson, et tenez-vous bien, pas avec n'importe quel superviseur expérimental, c'était le professeur Léon Schwarzenberg, et qui, à l'hôpital de Villejuif, avait mené une expérimentation financée par TF1 avec deux huissiers de justice et puis la guidance, entre guillemets, du professeur Yves Lignon, qui était professeur de mathématiques statistiques à l'Université de Montmirail à Toulouse. Et cette expérimentation, donc, qui a été faite au laboratoire du professeur Léon Schwarzenberg, ancien directeur de l'ARC, hein, de l'Association contre le cancer, avait pour but d'observer si de l'eau magnétisée par imposition du magnétiseur, donc en l'occurrence c'était M. Jean-Marie Le Gall, avait des propriétés ensuite pour permettre l'accélération de la croissance de graines de cresson. Hein, c'était fait sur des graines de cresson. Donc le professeur de mathématiques était là pour, statistique, était là pour évaluer le taux de germination statistique par rapport aux cressons qui recevaient de l'eau magnétisée par Jean-Marie. Et par rapport à d'autres pots témoins qui, eux, n'étaient pas magnétisés. Eh bien, contre toute attente, enfin,
qu'on vous attend, nous, on le saura entre nous que ça fonctionne, eh bien, ça a réussi. Et le professeur Léon Schwarzenberg en a été très étonné. Il a été vraiment très étonné des conclusions de l'expérimentation. Cette expérimentation devait être diffusée sur TF1, à l'émission de Michel Pollack. Et puis, bah, comme par mauvaise aventure, en quelque sorte, il y a eu comme, voilà, des interventions de personnes extérieures qui n'ont pas vraiment souhaité que cette expérimentation soit médiatisée. Et puis, au final, mon ami Jean-Marie n'a pas pu communiquer les résultats de cette expérimentation sous peine de procès. Voilà. Pour bien expliquer la différence, donc toi, dans les expérimentations précédentes, tu magnétisais donc directement les graines, alors que là, dans l'expérimentation de Jean-Marie Le Gall, il a juste magnétisé de l'eau, et voilà, cette eau ensuite a été versée sur les graines. Donc, il n'y avait même pas d'interaction directe. Voilà. Avec les graines. C'est-à-dire que là, lui, dans son expérimentation, il va magnétiser. Donc, le médiateur de la croissance des végétaux va être l'eau. Il magnétise l'eau. Donc, il va lui donner une structure. L'eau, c'est aussi de nature électromagnétique, hein, puisqu'il y a deux atomes d'oxygène, un atome, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. C'est-à-dire qu'il y a deux particules électriques plus pour une particule électrique moins. S'il n'y a pas de nature électromagnétique dans la molécule d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de molécule. Les molécules sont des atomes agrégés entre eux qui forment des molécules. Donc, des atomes, il y a des quarks, etc. Mais on part au niveau de l'atome, il y a déjà une activité de nature protonique plus et électronique moins. Qu'on retrouve dans la molécule d'eau, qui est un agrégat d'atomes qui forme une molécule. Donc, il y a un niveau, je dis bien un niveau, mais parfois, ces niveaux dépassent parfois la somme de ce qu'ils représentent. Et donc, au niveau expérimental, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un effet de croissance de l'eau magnétisée par Jean-Marie. L'eau magnétisée ensuite est versée sur les graines de poisson et il y a potentialisation. Toi, donc, un jour, tu décides ou tu as l'intuition de mesurer l'activité électrique des mains. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu peux nous montrer l'appareil et ce que tu as fait avec? Alors, je l'appelle mon fils, hein, depuis. Donc, c'est un appareil qui est conçu par la firme Gigahertz en Allemagne et qui font des appareils de mesure électromagnétique qui ont la réputation d'être très fiables et qui servent de mesure d'expertise pour des procès, par exemple, lorsqu'il y a des lignes à haute tension pour des agriculteurs ou ceux-ci remarquent qu'il y a parfois des animaux qui deviennent anémiés suite à une exposition trop prolongée à des champs, donc un rayonnement créé par les lignes à haute tension. Voilà, cet appareil-là sert de mesure d'expertise pour des dans le cadre de procès. La valeur est de plus ou moins 1% à valeur de défaut. Vous voyez. Donc voilà, je vous le présente, hein, comme ça tout le monde va le voir. C'est le ME3030B. Alors ce que je tiens à préciser, c'est qu'avec n'importe quel type d'appareil, l'expérimentation que vous allez pouvoir voir, en 2014, moi j'étais intéressé de pouvoir évaluer les champs électriques et magnétiques par rapport aux câbles domestiques, parce que comme j'avais une enfant qui était en bas âge, j'avais appris qu'effectivement les enfants qui ont le crâne, donc matière osseuse, hein, tissu osseux, qui est beaucoup moins dense que celui d'un adulte, présentaient potentiellement plus de risques à être exposé à des champs issus de câbles, qui pouvaient être près des lits, par exemple. Moi, m'intéressant à la loi de Joule, hein, qui exprime que la résistance multipliée par l'intensité au carré multipliée par le temps donne dans cette équation la notion d'intensité. Donc, l'intensité, c'est relié à l'ampérage, donc à l'activité électrique. Et effectivement, une source d'un câble électrique domestique, certains vont considérer qu'il n'y a pas de danger, mais si on reste trop longtemps dessus, il y a un effet de thermie qui va se produire dû à cette valeur temps dans l'équation de Joule et donc un effet d'intensité qui va aller en augmentant. Et là, ça peut produire un effet de santé sur les cellules. Les cellules fonctionnent à peu près entre guillemets moins 40 millivolts, moins 50 millivolts. Mais lorsque vous avez un champ rayonnant qui fait plusieurs centaines de millivolts, bah, ce n'est pas tellement compatible en fait. Hein. 40 millivolts sur 100 millivolts, ce n'est pas compatible. La cellule reçoit beaucoup trop d'énergie. Et qu'est-ce qu'elle en fait, la cellule, toute cette énergie? On ne sait pas. Donc, il peut se produire des effets thermiques. Alors, on ne sait pas. Si, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui démontrent que l'activité électrique, si on reste trop longtemps sur un champ rayonnant, on peut effectivement avoir des problèmes de santé. Alors, il y a des études qui ont été faites. D'autres continuent
surtout en France, hein, continuent à contester ces études-là. Disent, oui, on ne sait pas vraiment ce que ça peut faire, un champ électrique rayonnant. C'est un petit peu comme si, bah, circuler, il n'y a pas trop à voir de ce côté-là. Mais dans les pays du Nord, en revanche, si, si, eux, ils vont dire, ils vont prouver, hein, avec des études scientifiques qui ont été faites. Et en France, il y a aussi des études de l'INSERM qui ont été produites, qui démontrent qu'effectivement, si on s'expose trop longtemps à des champs électriques et magnétiques, ça peut avoir des ça peut créer des problèmes de santé. Donc, il y a des études de l'INSERM qui ont été écrites, hein, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, je crois, et qui sont des faits. Hein. Donc, il y a effectivement une dangerosité potentielle. Alors voilà, c'est pareil, je vais le démonter. Donc, moi, un jour, je me dis, tiens, mais comment cet appareil fait pour mesurer les champs électriques et les champs magnétiques? Et puis, je le démonte. Et puis, voilà, ça donne ça. Voilà, donc on voit la structure au niveau interne. Donc, vous avez un petit capteur qui est juste devant, ici. Hein, voilà, capteur. Et puis, par inadvertance, je me dis, tiens, mais je vais toucher la cellule, comme ça. Donc, il y a une pile qui fait 9 volts hein, à l'intérieur, une pile de 9 volts, ici, là, voilà, de 9 volts. Et puis, en touchant la cellule, l'appareil s'est déclenché. Il a affiché 1000 millivolts, bah, 1 volt, quoi. Et là, j'ai eu peur, je l'ai jeté. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru qu'il était connecté à une prise de courant électrique et que j'étais en train de m'électrocuter. Pour vous dire, à tel point, ça m'a surpris. J'avais plus les fils qui se touchaient en termes de raisonnabilité. Et en fait, c'était qu'une pile de 9,5 volts. Et puis, j'ai vu, effectivement, j'ai reproduit l'expérimentation plusieurs fois. À chaque fois, je voyais 1999 millivolts s'afficher selon la manière dont je mettais le doigt sur l'appareil. Et je me suis dit, si l'appareil affiche des millivoltages, c'est donc que les mains indiquent qu'il y a un champ de différence, la physique appelle ça le DPP, le différentiel de potentiel, qui est en train de se produire. Ça veut dire qu'il y a une échelle haute et une échelle basse qui produit un micro-courant électrique. Donc, je vais le faire devant vous. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, je le mets sur la joie. Petit clic-clic, là. Ouais, attends, je vais essayer de le tenir, c'est pas facile. Voilà, là, il indique, par exemple. Ouais, on voit bien, là, ouais. 80 millivolts, hein, mais parce que ouais. Là, il y a le champ électrique de l'ordinateur, hein, d'accord, du PC. Ouais, effectivement. Là, voilà, maintenant, je vais le prendre entre les mains, je ne veux pas casser les fils, voilà, comme ça. Voilà, hop. Ouais, effectivement. Et là, tu vois, là, c'est les valeurs, oui. Ça va jusqu'à 1999 millivolts. Rien qu'au bruit, déjà. Du... Ça veut dire que c'est 1999 millivolts. Ouais, maintenant, je vais toucher juste la cellule, ici, comme ça. Là, tu vois, là, ouais. Je suis à peut-être à 1800, 1600 millivolts. 1950, ouais. Voilà. Et ça veut donc bien qu'il y a un effet, qu'il y a juste le doigt dessus. Hein. Les mains génèrent un différentiel de ouais. potentiel. Et ça, c'est incontestable. J'ai montré ça à des ingénieurs en électromagnétisme, au professeur Donadieu. Personne n'a contesté ça. Ils sont tous été ébahis. Moi, là, on ne peut pas contester, c'est vrai. Il y a un différentiel de potentiel. Alors, qui est ouais. peut-être de nature électrostatique, mais même si c'est de nature électrostatique, c'est de l'électricité. C'est un effet. Et tout le monde a les mêmes valeurs. Et que fait cette électricité de plusieurs milliers de millivolts, ou centaines de millivolts, sur des cellules qui font 50 millivolts, 200 millivolts, 300 millivolts, 150 millivolts, ça fait quoi? Quels font les effets? Juste une question, j'imagine que si on presse un bout de plastique ou un bout de bois ou autre sur la même cellule, par contre, elle ne va pas réagir. Si. Alors, par exemple, derrière, toi, ça, c'est une fausse plante, chérie, ça? Alors, je l'ai fait sur des plantes, des vraies plantes. Ben, quand tu le mets sur la plante, tu as à peu près 40 millivolts sur des végétaux, par exemple. D'accord. Alors, attends, un bout de plastique. Oui, un stylo, par exemple, tu vois. Oui, le plastique, c'est quoi? C'est des atomes agrégés entre eux qui forment des molécules. Mmh. C'est pétrole, ouais. Voilà. Et c'est électrostatique. Alors, je vais essayer, tiens, regarde devant toi. C'est peut-être faire. Moins fort, en tout cas. Ouais, je vais voir. Donc, là, par exemple, comme ça. On va essayer. Je vais mettre le bâton en plastique. Voilà. Ça ne bouge pas. Un petit peu, si, regarde. Quand je touche, regarde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la main a une réaction beaucoup. Enfin, génère une réaction. Oui. Au moment où le capuchon touche, il y a des petits millivolts qui s'affichent. Ouais, mais c'est non, mais ce que je veux dire, Arnaud, c'est que c'est incomparable par rapport à ton doigt ah bah oui. et une matière inerte. Quoi. Ouais. Voilà, oui. C'est ça que je voulais pas démontrer, mais c'était la question, quoi. Ah oui, je te touche avec un stylo ou je te touche avec ma main, c'est pas la même, quoi. C'est la même chose. mais c'est aussi pour ça que je pense que depuis la nuit des temps, en fait, on fait des soins en présentiel à 80%, voilà. Que les soins à distance représentent que 20%, parce que en présentiel, toute cette activité électrique va avoir beaucoup plus d'effets sur le potentiel hydrogène du corps. Qu'à distance. À distance, il y a des effets, mais ils sont quand même moindres. Tous ceux qui pratiquent à distance le diront. C'est mieux en présentiel. Parce qu'il y a aussi une partie de l'activité électrique des mains qui va beaucoup plus agir.
Non, mais on est bien d'accord. Sinon, tout le monde ferait des soins à distance depuis la nuit des temps. Il y aurait le même résultat. Mais c'est... dans les faits, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Moi, juste une question, Arnaud. C'est un phénomène qui se fait avec tout le monde ou c'est spécifiquement avec toi ? Tout le monde, tout le monde. D'accord. Okay. Ma fille qui a 9 ans, un grand-père, une grand-mère, tout le monde sur les questions. Et là, justement, si tu veux, ça invite à connaître aussi les lois de la physique. Tout objet rayonne, tout objet. Nous, notre chaleur, elle est à 37,5 degrés. Et cette chaleur-là, elle n'existe pas comme ça par hasard. C'est parce qu'en fait, on est constitué d'éléments particuliers qui se frottent les uns contre les autres, qui émettent un rayonnement. Ce rayonnement, c'est de la chaleur. En physique, il n'y a pas de chaleur sans activité électrique et magnétique. Et donc, notre chaleur à 37,5 est le produit de cette activité particulière, entre autres, et qui se mesure aussi par l'infrarouge. Et tout objet dans l'univers est comme ça. Tout corps rayonne. Et tout objet est constitué de particules, parfois plus petites les unes que les autres, mais qui s'agrègent entre elles et puis qui finissent par frotter, comme Allègre disait, quand vos mains chauffent, c'est parce que quand vous frottez les mains, c'est parce que vous frottez les atomes de surface. Voilà, on frotte les atomes. Donc, il y a une agitation particulière, c'est les bases de la physique, et cette agitation particulière crée de la chaleur, crée de l'électricité et crée du magnétisme. Et c'est valable pour tout le monde. Il y a plusieurs croyances, c'est que c'est un don. Première croyance. Croyance, c'est que c'est un don qui peut être transmis soit de nature divine ou soit de nature familiale, par le père ou par la mère. L'autre croyance, c'est la puissance. Certains êtres seraient plus puissants que d'autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein, parce que quel que soit le stagiaire, débutant, il aura les mêmes résultats que nous. Après, sur les problèmes de peau, sur les problèmes osseux, les mêmes résultats. En fait, ils font exactement comme moi. Donc, c'est pas un don. Mais si je crois que c'est un don et que j'en suis convaincu, comme je dis, si vous pensez ne pas être doué pour la musique, est-ce que vous avez déjà mis un doigt sur un piano ? Non, j'ai jamais essayé. Bon, tu peux être sûr. Tu vas considérer que c'est forcément qu'un don. Mais il faut bien commencer à mettre ses doigts sur un piano pour savoir si on est doué ou pas. Dans le magnétisme, pour moi, le don, c'est plus cette envie de vouloir soigner les gens. C'est cette générosité du cœur de se dire on est calibré pour soigner quelqu'un. Et là, on va tout mettre en jeu. L'intention, l'empathie. Oui, là, c'est, je ne sais pas si on peut passer à un don, mais c'est une disposition naturelle de cœur et d'esprit où on va potentialiser aussi, un objet peut potentialiser l'activité de nature électromagnétique. Nous sommes des êtres avec un cœur, avec un cerveau. L'Institut Hermet fait beaucoup de travaux sur le cœur et se rend compte qu'effectivement, le cœur émet un fort champ magnétique. Mais pourquoi ? Parce qu'il est principalement constitué de cellules de nature électrique. C'est un gros foyer d'électricité, le cœur. Et donc, proportionnellement, le champ magnétique du cœur, il va être plus puissant. Le cerveau aussi. Et il se trouve que dans les mains, c'est pareil. On a une activité, toutes nos cellules sont électriques. Il y a beaucoup d'activité électrique au niveau des mains parce qu'il y a très peu de résistance ohmique, parce qu'il y a très peu de matière, il y a très peu d'os, il y a très peu de sang, il y a très peu de... Et donc, il y a moins de résistance. Donc, il y a une plus grande propagation de cette activité de nature de champ électromagnétique. Certains pourraient même dire aussi, c'est la conduction de l'énergie du cœur, aussi de cette activité par la pensée, l'intention qui va se traduire au niveau des mains. Dans toutes les traditions religieuses, on va retrouver la main comme symbole aussi de guérison, de pouvoir, et voilà, les pieds aussi, hein, les pieds aussi ont exactement, moi j'ai fait des mesures avec l'appareil, les pieds ils ont exactement la même valeur de rayonnement énergétique, à savoir 1500, 2000 millivolts, mais c'est largement suffisant en fait pour avoir une action sur une cellule, puisqu'une cellule ne fonctionne qu'avec 60 millivolts. La physique va dire, le corps est électriquement neutre, c'est pas exactement vrai. Puisqu'on s'oxyde tous les jours, c'est que la somme des particules électriques qui nous composent fait qu'on est électriquement neutre, mais tous les jours on s'oxyde. Donc l'oxydation, ça veut dire que ça va créer un micro-différentiel de potentiel électrique qui peut être mesurable. Et toutes nos cellules fonctionnent comme ça. Et que l'activité de nature électromagnétique externe avec les mains va parfois permettre, dans nombreuses maladies, de pathologies, de réguler l'activité électrique déficiente. En biologie, ils appellent ça le pH, le potentiel hydrogène. Quand je me suis intéressé au potentiel hydrogène, j'ai découvert que le potentiel hydrogène pour le terrain acide, c'est le terrain protonique. Donc, on revient une fois de plus aux particules électriques, des protons, des particules plus, et puis le terrain alcalin, c'est les électrons. Donc, quand j'ai appris que 95% des pathologies étaient liées à un différentiel de ce pH, de nature protonique, on va dire, par exemple, pour les cancers, c'est le terrain acide. Donc, le terrain acide, eh bien, c'est un amoncellement de particules électriques plus. Voilà. En fait, les plus, dans le corps, mis massivement, on le retrouve pour les problèmes de peau, on va le retrouver aussi pour les problèmes de douleur, souvent. Ces protons, nous engorgent
nous pollue et puis développe des symptômes, des pathologies, problèmes de peau, zona, eczéma, psoriasis, parfois des cervicalgies. Et moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que les mains émettent un champ de nature protonique, étrangement protonique. Ça veut dire que pour moi, et là, c'est que théorique, hein, donc là, j'affirme rien là-dessus, mais en tout cas, ça, c'est un raisonnement qui peut tenir la route. On prend un ballon en plastique, on le gonfle, on prend une ficelle. Et puis ensuite, on l'électrise. Donc, on va l'électriser. En l'électrisant, on arrache les électrons et il devient plus. Il est massivement chargé en plus. Et quand on approche la main près du ballon, hop, il se colle à la main. Alors qu'on n'a pas électrisé la main. On ne l'a pas du tout électrisé. Ce qui veut donc dire que, selon la loi de Coulomb, plus et moins, ça s'attire. Et donc, si ça s'attire, c'est que la main émet un champ rayonnant de nature plus. Et qu'il est possible, c'est que théorique, hein, lorsqu'on met les mains sur des sujets qui ont des pathologies, eh bien, le champ rayonnant plus va repousser les plus dans le corps, ces protons, ces fameux protons qui créent un terrain acide, et puis va permettre au corps de pouvoir les relarguer dans tous les tissus, les évacuations, etc. Parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il est engorgé, mentalement, il n'a pas la disposition de pouvoir le faire tout seul. Donc, nous, on va l'aider un peu comme une batterie électrique externe pour l'aider à dégager tous ces plus, ces protons. Et après, le symptôme disparaît. Le zona disparaît, l'eczéma disparaît, le psoriasis disparaît. Sauf le psoriasis d'origine génétique, ça, on ne peut rien faire. J'ai toujours essayé le psoriasis d'origine génétique, c'est impossible. Et quel que soit le magnétiseur que je peux connaître, il ne peut rien faire pour un psoriasis d'origine génétique. Donc, il y a des pathologies qu'on ne pourra jamais traiter. Donc, voilà, c'est donc bien d'aller voir aussi du côté de la science ce qui se passe. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en France, le corpus médical va dire que le magnétisme est un pur effet placebo, un pur effet de suggestion. Et ce qui est étonnant, c'est que moi, j'ai été voir les études qui pouvaient prétendre ça. J'en ai trouvé aucune. J'ai trouvé aucune expérimentation en France qui a été réalisée pour démontrer que le magnétisme était placebo. Aucune. Donc, je me suis dit, mais comment se fait-il qu'on puisse dire que c'est un effet placebo alors qu'il n'y a aucune étude qui démontre que c'est un effet placebo? Une fois que tu as fait donc cette grande découverte, tu décides de déposer un brevet. Là, c'est important, auprès de l'Académie donc, des sciences. Comment cela s'est passé? Est-ce que tu as pu trouver ensuite des chercheurs ou des scientifiques prêts à faire des expérimentations cliniques? Par exemple, au niveau INSERM ou CNRS, et comment ont réagi les médias à tout ça? Alors, oui, comme moi, j'étais animé de la volonté de me dire, mais en fait, si on émet un champ de nature électrique, il doit bien avoir des effets. Tout objet qui rayonne, même un corps humain, selon les lois du physicien Lorentz, toute particule électrique étant rayonnante, elle émet un champ de force. Hein, on appelle ça la force de Lorentz. Et cette force de Lorentz, là, je ne vais pas trop noyer les auditeurs dans les questions techniques, mais la force de Lorentz, elle implique la loi de Newton. Donc, elle est mesurée en Newton. Et lorsque moi, j'ai voulu comprendre ce qui se passait au niveau de ces voltages, au niveau des mains, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi un volt? C'est quoi un volt? Qu'est-ce qui permet de constituer un volt? Et je découvre l'équation du volt, et c'est là où c'est intéressant, c'est que 1 volt est égal à 1 watt divisé par 1 ampère, qui est égal à 1 joule divisé par 1 coulomb, qui est égal à 1 newton multiplié par 1 mètre divisé par 1 ampère multiplié par 1 seconde, et qui est égal à 1 kilogramme multiplié par 1 mètre à la puissance 2 divisé par 1 coulomb multiplié par 1 seconde à la puissance 2. Bon, c'est un petit peu long comme équation. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans cette équation, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a tout. Vous avez toutes les grandes lois de l'électromagnétisme. Il y a les watts, il y a les ampères, il y a la loi de joule, il y a les coulombs, il y a la force newtonienne. Force newtonienne. Donc tout se tient en fait, toutes ces lois-là se tiennent. On émet bien un champ de force de nature électromagnétique conforme à la loi de Faraday, conforme à la loi de Coulomb, conforme à la loi de Joule, conforme à la loi de... en fait, je ne me rappelle plus du nom du physicien que j'ai cité en premier. Lorentz. La force de Lorentz, voilà, la force de Lorentz, conforme. Donc, qu'est-ce que va faire cette énergie électromagnétique sur des tissus, sur du biologique, sur du vivant? Bah, on peut comprendre que sur les végétaux, bah, ça va potentialiser l'activité électrique de l'eau, par exemple. Ça va modifier la structure de l'eau, ça va avoir des effets de croissance. Il est connu quand même que l'électricité potentialise la croissance des végétaux. C'est connu, d'ailleurs, c'est un principe naturel, puisque dans les sols, vous avez des particules électriques qui vont être utilisées par les plantes pour pouvoir se potentialiser dans leur développement. Quand il y a eu de la foudre ou un orage, ben, les végétaux poussent plus vite. Ben, c'est connu des agriculteurs. L'activité électrique potentialise
le développement des végétaux. C'est très connu, hein, c'est très connu. Donc jusque-là, il n'y a rien de mystérieux, sinon cette fantastique propriété de l'électricité, moi je l'appelle la fée électricité, de pouvoir potentialiser la croissance des végétaux, mais aussi de pouvoir soigner un grand nombre de pathologies. Ce qui est nouveau dans ta découverte, c'est de mesurer une activité électrique directement au niveau des mains, au niveau des doigts. Voilà. Donc tu décides de déposer un brevet auprès de l'Académie des sciences. C'est ça. Comment ça s'est passé et quelles ont été les suites? Alors, premier dépôt de brevet pour démontrer qu'on émettait un champ de nature électromagnétique rayonnant, 1000 millivolts, 1500 millivolts, bon, reconnu admissible par l'Académie des sciences, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est une preuve scientifique, attention, je précise, hein, c'est un niveau déjà, ça passe devant une commission d'experts en électromagnétisme, ils reconnaissent le brevet comme étant admissible, bon, mais c'est, en aucun cas c'est une preuve. Normalement, ça doit permettre de dire, bon, bah là, il y a quelque chose, creusons, quoi, parce que c'est un peu le but de la science, justement. Voilà, c'est quelque chose, quoi. Quand j'avais téléphoné à la secrétaire de l'Académie des sciences, je lui ai dit, mais comment ça se passe techniquement pour savoir, pour qu'un brevet soit admissible? Elle me dit, bah, en fait, chaque brevet passe devant une commission d'experts en relation avec l'objet d'étude. Voilà, et donc, vous, ce sera une commission d'experts en électromagnétisme. Voilà. Alors, je me suis dit... Alléluia, j'espère qu'ils vont recevoir. Bon, ça a été reçu, bon, reconnu admissible. Deuxième dépôt de brevet, j'avais un ami physicien qui m'avait dit, maintenant, il faut que tu démontres. Il me dit, ok, très bien, bravo, félicitations, mais maintenant, il faut que tu démontres que ça soigne. Alors là, j'ai été voir du côté des travaux de l'électrophysiologie médicale. J'ai découvert qu'il y avait une science qui s'appelle l'électrophysiologie médicale, qui est très, très peu connue en France. Hein. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui pratiquent cette discipline. Et bien que... les valeurs électriques proposées par les appareils, proposées qui sont aux normes médicales, agréées, c'est rien, j'avais gonflé un ballon pour une expérimentation, il vient d'exploser, ma femme a marché dessus, voilà, c'est pas un attentat, hein, c'est pas un attentat. On veut te faire taire. Là, on aborde un vrai sujet, là, j'ai l'impression. Voilà. Alors, deuxième dépôt de brevet pour reconnaître qu'il y a une relation avec l'électricité et les guérisons. Donc, en m'appuyant sur les données médicales, qui ne sont pas contestables, on retrouve quasiment les mêmes valeurs au niveau du champ électrique rayonnant des mains que les appareils qui produisent avec un champ d'origine alternative, domestique, qui produisent avec les électrodes des pulsions avec des fréquences, mais aussi des millivoltages. C'est quasiment la même chose que les mains. Et les mains sont encore mieux, je dirais, puisque nos ondes sont sinusoïdales. On va dire que les ondes arrivent en paquet. C'est du courant alternatif, donc ça va très, très vite. Hein, c'est la vitesse de la lumière. C'est comme si ça agitait énormément les électrons. Bon, après, il y a, paraît-il, un système de dispositifs qui permet de rendre le courant en continu, mais je ne sais pas si au niveau des ondes, c'est exactement la même chose que les sinusoïdales des mains, par exemple. Mais bon. Et quand j'ai vu la liste de ce que proposaient de soigner les appareils médicaux, bah, j'ai trouvé quoi? Le zona, le psoriasis, l'eczéma, l'angalgie, cervicalgie. Exactement tout ce qu'on fait. La même liste. Donc, l'électricité propose de soigner exactement tous les cas que nous, on peut faire depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Et j'ai découvert aussi en biologie que ces cinq systèmes, le système nerveux central, donc, où les magnétiseurs sont réputés traditionnellement comme étant bons, pour les migraines par exemple, hein, on est réputé pour ça. On est réputé pour les problèmes de peau, l'eczéma, le psoriasis, les verrues, etc. On est réputé bon pour ça. Les os, l'ombalgie, cervicalgie, problèmes osseux, les problèmes musculaires. Eh bien, j'ai observé, je me suis dit, mais en fait, qu'ont en point commun tous ces systèmes qui font qu'avec les mains, on a des résultats. Et puis, je découvre, merci aux chercheurs de la biologie moléculaire, je découvre que ces cinq systèmes sont constitués principalement de cellules dites excitables. Alors, je vais voir dans le dictionnaire ce que veut dire excitable. Et bingo, je découvre que excitable signifie qui réagit à l'électricité. Les bras m'en tombent. Et je me dis, en fait, donc, cette activité de nature électromagnétique que l'on produit avec les mains, va agir sur des cellules qui sont excitables, donc qui réceptionnent cette activité électrique, et qui va pouvoir traiter des symptômes. Et là, je me suis dit, ce serait intéressant de voir cette théorie tient la route et d'aller faire des expérimentations en laboratoire. J'ai donc eu, à travers une de mes stagiaires, la chance qu'elle connaisse une directrice de recherche du CNRS qui est venue pour se faire traiter une capsulite, où je l'ai traité sa capsulite en 5 minutes. Et puis, elle me dit, mais vous savez, ça fait des semaines que je vais chez les kinés, j'ai fait déjà une vingtaine de séances. Et là, vous, en une séance, vous m'avez déjà enlevé les douleurs. Et elle me dit, mais est-ce que, il paraît que vous réfléchissez sur l'électricité, que vous avez découvert que les mains émettaient un champ électrique. J'ai dit, oui, j'ai déposé un brevet à l'Académie des sciences. Et elle me dit, vous savez,
Moi, je travaille à l'hôpital Cochin, je suis directrice de recherche au CNRS. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous rencontriez, je pense que je peux citer son nom, parce que de toute manière, bon, y a pas de grand mystère, hein, le professeur Emmanuel Donadieu. Emmanuel Donadieu, qui est un des chefs de file de la cancérologie en France. Et je vais lui parler de vous, et puis s'il accepte de vous recevoir, bah, ce serait bien de pouvoir lui montrer justement toutes vos expérimentations, votre appareil avec les mesures électriques, etc. Et puis s'il est convaincu, on pourra peut-être envisager de faire des expérimentations. C'était en juin 2019, en juin 2019. Parce que Arnaud, quand même, parce que quand même, c'est pas rien, il faut pas qu'on Ah passe trop vite. On a quand même une scientifique directrice de recherche qui vient te consulter. Donc voilà, enfin, c'est-à-dire que cette personne-là te considère comme compétent pour traiter une douleur qu'elle a. Alors, elle avait, comme c'était une amie d'une des stagiaires qui venait, qui elle était sensibilisée au fait qu'effectivement que j'essayais de me battre pour une reconnaissance au niveau scientifique. Mais tiens, je connais cette amie, je vais lui dire de venir, de voir un peu au centre, puisqu'elle a un problème d'épaule, de voir, c'était l'occasion de voir et de vérifier les effets de santé que pouvaient produire les mains. Voilà. Et puis quand elle est venue, effectivement, après, elle avait un résiduel de douleur, parce qu'en échelle de 0 à 10, elle était peut-être à 3-4. Bon, la douleur est partie en 5 minutes, comme ça avait été le cas pour moi sur ma cheville. Elle me dit, mais c'est intéressant, expliquez-moi un peu plus cette activité de nature électrique. Et là, je lui ai expliqué. Et comme Elle j'avais. était assez ouverte d'esprit, en fait. Voilà, elle Oui, pouvait. absolument, très ouverte d'esprit. Et surtout, elle m'avait expliqué que. Je lui avais dit, mais en fait, moi, je me suis dit. Nous, on est tellement habitués à se sentir comme étant des gens qui ne comptent pas en fait, pour la science, qui sont vraiment le sentiment de venir du fin fond de la campagne, en fait. Hein. Et donc, je me suis dit, mais elle fait semblant de s'intéresser à moi. En fait, elle veut être gentille parce que je lui ai soigné son épaule, qu'elle fait semblant, c'est quand même des gens qui ont des savoirs énormes. Voilà. Et elle fait semblant de s'intéresser à moi. Et puis, elle me dit, mais vous savez, je vous explique une chose. Nous, aujourd'hui, dans les laboratoires, et ça, c'est son expression, hein, on se tire tous la bourre pour essayer de faire pénétrer des lymphocytes dans des cellules tumorales. Et donc, il y a une vraie compétition aujourd'hui dans les laboratoires pour faire pénétrer les lymphocytes dans les tumeurs. Et elle me dit, est-ce que toi, tu aurais une idée avec cette dimension électrique de ce qu'il serait possible de faire ou de ce qu'on n'arrive pas à faire? C'est-à-dire qu'en fait, les lymphocytes n'arrivent pas à pénétrer la cellule tumorale. C'est ce qu'elle m'explique, hein, de manière très basique. Hein. Je lui dis, mais comment ça? Elle me dit, les lymphocytes, quand ils arrivent près de la cellule tumorale, ils sont repoussés. D'accord, ok. Et moi, je réfléchis tout de suite à l'électricité. Et puis, comme je connaissais bien la loi de Coulomb, je me dis, mais en fait, et je raisonne toujours, je ne raisonne pas terrain acido-basique ou acido-alcalin, je raisonne proton-électron. Et donc, je me dis, mais en fait, la cellule tumorale, ce ne sont que des protons, c'est un terrain acide. Donc, il y a massivement des protons. Il n'y a pas que des protons, mais c'est la dominante protonique. Et je lui dis, mais il est possible que le petit lymphocyte, qui n'a pas la dimension protonique de la cellule tumorale, il a lui aussi il a des plus et des moins. Et peut-être que les petits plus qu'il a, ils sont repoussés par les gros plus, avec la voie de Coulomb, plus et plus, ça se repousse. Et que peut-être ça empêche cette migration du lymphocyte vers la cellule tumorale. Mais je dis ça, mais vraiment, mais comme ça. Hein. Et là, je vois, elle se gratte le menton, comme ça, puis elle m'a dit, écoute, je vais parler de toi, professeur Emmanuel Donadieu, et puis s'il accepte de te rencontrer, eh bon, voilà, je ne te promets rien, et on verra. 10 jours après, le téléphone sonne, monsieur de Chicourt, voilà, le professeur Emmanuel Donadieu souhaiterait vous rencontrer. Alors là, les bras m'en tombent, et puis, mais pourquoi? Il serait intéressé d'écouter un peu tout ce que vous avez à dire sur l'électricité, le magnétisme, etc. Et alors, je vais le voir, donc c'était au mois de juin 2019, et puis là, je tombe sur toute son équipe de recherche. Je suis reçu à l'hôpital Cochin par toute l'équipe de recherche pour Emmanuel Donadieu. J'avais été voir avant de le rencontrer son CV. Alors, son CV, c'est la Tour Eiffel, hein, c'est la Tour Eiffel, c'est extraordinaire. Enfin, c'est un grand, grand monsieur hein, de la recherche en cancérologie. Et donc, au début, il me dit, ah, vous faites de la recherche aussi, vous là, Ben oui, oui. pareil. Non, 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 je ne suis pas vraiment dans ce domaine-là. Non, Et non. pourtant, Bon, oui, et pourtant, bien sûr, mais bon, voilà. Voilà, bon, on n'est pas du tout dans le même niveau de recherche, hein, mais oui, et pourtant, bon. Et donc, on se serre la main, il m'invite à m'asseoir, et puis là, je rentre dans une salle avec, ils étaient 6 ingénieurs en biologie, il dit, voilà, je vous présente mon équipe de recherche internationale. Alors là,
avec ma mallette, mes appareils, l'appareil de mesure électrique, mes ballons, mon poste radio, parce que je fais des démonstrations avec le poste radio, quand vous touchez une antenne de poste radio, eh bien, il se produit des variations. Ça, c'est on a tous pu vérifier ça. C'est parce qu'il y a une interaction électronique. Le corps aussi, dans nos doigts, on a des électrons. Dans une antenne, les électrons s'accumulent toujours vers les pointes, vers le haut. Et donc, ça crée une interaction électromagnétique et qui fait parfois même changer les fréquences. Bon, en fait, c'est tellement évident, cette histoire d'électricité, que je suis étonné qu'on n'ait pas plus investigué ce terrain-là. C'est tellement évident. Il y a de l'électricité partout, dans l'espace, dans les planètes. Tous les objets sont faits d'électricité. Nous, on en est... On vit grâce à ça, avec le cœur, avec le cerveau. Enfin, on n'est que électrique, quasiment. Si on enlevait cette activité électrique, eh bien, il n'y aurait tout simplement pas de vie sur Terre. Ce n'est pas compliqué. Donc, on est électromagnétique, comme le disait le professeur Rocard. C'est une évidence, mais j'ai envie de dire presque aveuglante. Et donc, on commence les expérimentations. Ça dure 2 heures. Au bout de 2 heures, toute l'équipe était mais vraiment dans une euphorie. Ils m'ont dit, mais effectivement, tout ce que vous montrez, c'est... Voilà, vous ne connaissez pas ça et, là, ils ne se moquaient pas de moi du tout. Hein. C'était vraiment, c'est extraordinaire. Ils mettaient sans arrêt leur doigt sur l'appareil. Ils voyaient qu'il y avait des mesures électriques. Alors, je leur disais, vous pouvez m'expliquer. Ils me disaient, bah, non, en fait, on ne peut pas expliquer. Mais tout ce qu'on peut, c'est qu'on voit qu'il y a une activité électrique. Et ça, on ne connaissait pas du tout. Du tout. Et le professeur Emmanuel Donadieu fait silence. Et ça, en 2019. En 2019, hein. En 2019, hein. Et le professeur Emmanuel Donadieu fait silence. Et puis, et là, je sais qu'il y a un énorme enjeu. C'est que si... il est convaincu, on va passer au stade expérimental. Et là, je me dis, à quoi il pense, là ? Il y a un silence, pour moi, ça a duré quoi ? 5 secondes, mais pour moi, ça a été un siècle. Et il dit, voilà, il prend ses mains, écoutez, moi, je suis convaincu par tout ce que vous nous avez montré. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence les expérimentations à la rentrée, au mois de septembre 2019. On va commencer sur des souris, avec des blessures, des plaies, des blessures. Parce que je lui avais parlé au cours de cette conférence que la première expérimentation avait été faite par le docteur Bernard Grade dans les années, Sylvain, peut-être que tu vas 60, dire, dans les années 60. Dans les années 60, exactement. Années 60, et le docteur Bernard Grade était un grand biologiste de renommée internationale de l'Université McGill de Montréal, et il avait fait les premières expérimentations parce que sa sœur était décédée, et lui voulait trouver des moyens ressources pour pouvoir justement être d'un cancer. Il a été révolté par la mort de sa sœur, et il se disait, lui, que la recherche en cancérologie plafonnait et qu'il fallait trouver d'autres moyens ressources. C'est un biologiste, hein, un vrai chercheur, un rationnel. Et donc, il va faire des expérimentations avec un métiseur qui s'appelle le colonel Estebani, et ils vont magnétiser des souris sur lesquelles il y a eu des plaies. Ils ont incisé des souris avec des plaies, et il fait aussi des expérimentations avec des plantes. Comme Jean-Marie Le Gall, mais avec un magnétisme direct sur les plantes et sur les souris. Et comme il l'explique dans sa biographie, il dit « Moi, je faisais mes expérimentations, malgré ma renommée internationale, je faisais les expérimentations de l'année 60 en catimini, en cachette dans mon laboratoire, parce que je savais que ce sujet était un sujet à controverse et que je risquais ma place si je commençais à dire que je faisais des expérimentations sur des souris avec un magnétiseur et sur des plantes avec les mains d'un magnétiseur. » Donc, il raconte tout ça. Il dit « L'ambiance n'était pas sur ce sujet-là et il fallait surtout pas en parler. » Il est fait en catimini et il se trouve que toutes les expérimentations réussissent. Croissance des plantes, les plaies des souris sont activées et cicatrisent beaucoup plus vite. Et là, lui, en tant que chercheur, ne peut pas ne pas dire ce qu'il a mis en évidence, la vérité. Donc, il publie ses études. Et les études, à cette époque-là, étaient publiées dans des revues anglaises, londoniennes, qui avaient des publications de l'ordre de la spiritualité, parce que toutes ces activités-là étaient classées dans le domaine paranormal et pas allopathique. Donc, il l'a publié dans ces revues-là. Il me dit, voilà, en fait, c'est de la science. Quand on met les mains, il se produit un phénomène. Je n'arrive pas vraiment à expliquer comment ça se produit, mais en tout cas, c'est clair. Pour les souris, il avait mis en évidence une molécule qui s'appelle fibroblaste, et qui avait proliféré massivement et qui est impliquée dans les processus de cicatrisation. Et pour les croissances de plantes, il avait observé que, effectivement, ben, les plantes croissaient. Donc, j'avais parlé au professeur Emmanuel Donadieu de Bernard Grade. Et lui, s'était dit... on va commencer sur des souris. Il m'a dit, OK, on va commencer sur des souris, on va vérifier la cicatrisation. Et ensuite, on passera à l'étape des cellules cancéreuses. Parce que l'objectif, c'était de voir ce qui allait se passer sur les cellules cancéreuses. Donc, on convient du jour. Ça devait se faire, je crois, de mémoire à peu près la date. Arnaud, il te propose un cadre officiel ou il te dit, bon, ça reste entre nous. Comment il aborde alors, ça, non, en fait. Alors, justement, à un moment donné, il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez en échange? Si jamais ça réussit, oui. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Alors, moi, je veux pas d'argent. Je lui dis, bah, écoutez, moi, tout ce que je veux, au moins, c'est qu'on reconnaisse à titre honorifique le résultat de mes recherches. Ça m'a demandé 15 ans, 15 années avant d'arriver...
par essai, par erreur, par hasard aussi. Est-ce qu'il y a un hasard ? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. J'ai mis en évidence une activité électrique. Dis, moi, juste à titre honorifique, juste que mon nom soit au moins cité pour cette découverte de l'électricité et de son rôle qu'elle pourrait jouer au niveau de l'objet. Et il m'a dit, ce que je vous propose, c'est que si l'expérimentation réussit sur les souris, c'est que vous fassiez partie officiellement de mon équipe de recherche internationale. Alors là, c'est chaud, ça. Si j'avais eu quatre bras, les quatre bras me seraient tombés. Hein. Donc, là, c'est une belle reconnaissance, c'est clair. C'est clair. Extraordinaire. J'ai été vraiment électrisé par cette annonce. Électrisé. Alors, je suis parti de là, mais alors, sur un nuage. On a prévu de faire les expérimentations en septembre, le 14 septembre 2019. J'appelle ma mère qui pleure au téléphone. C'est fantastique, mon fils, ce qui t'arrive. Enfin, tu vas y arriver. J'appelle. Bah, tout le monde pleure au téléphone. Ma femme, on pleure tous. Hein, on pleure tous. Et puis, on attend. Donc, septembre 2019. Les vacances se passent, ça a été les vacances les plus longues de ma vie. Hein. Et puis, le 14 arrive, et puis, je n'ai pas de nouvelles. Alors, je devais les commencer le 14, je crois, à peu près. Et pas de nouvelles. Bon, OK, j'attends le 15, pas de nouvelles. Le 16, ouais. Pas de nouvelles. Le 17, j'appelle. J'appelle cette chercheuse du CNRS. Et je lui dis, mais est-ce que, voilà, on commence quand les expérimentations ? Ah, me dit Arnaud, je suis désolé, j'ai oublié de te dire. C'est que, en fait, depuis le mois de septembre 2019, il y a eu un changement de direction de l'INSERM et il est question que l'équipe du professeur Emmanuel Deladieu soit épurée à hauteur de 50%. Bon. Donc, il est plus occupé actuellement pour restructurer son équipe et conserver son équipe. Voilà. On te demande des nouvelles ultérieurement. J'avais compris tout de suite qu'il y aurait pas de nouvelles. Je l'avais compris tout de suite. Je savais que c'était fini. Voilà. En catastrophe, j'ai écrit un mail au professeur Emmanuel Deladieu. Hein. J'ai écrit, on avait des échanges mails. Est-ce que l'expérimentation ne pourrait quand même pas avoir lieu et puis, je préfère m'adresser directement au bon Dieu qu'à ses saints, entre guillemets. Et il m'a dit, oui, je suis désolé, monsieur Dichicourt, mais effectivement, là, j'ai une épuration administrative de mon équipe de recherche. Je suis vraiment désolé. Tout ce que nous avons échangé était très intéressant. Alors, en désespoir de cause, j'ai dit, professeur, est-ce que vous pourriez au moins me donner des coordonnées d'un de vos collaborateurs du CNRS qui pourrait continuer ses recherches parce que je pense que vous avez apporté un intérêt profond. Est-ce que vous pourriez... Ah non, il ne pouvait pas non plus me donner de recommandations, etc. Voilà. Et je me suis dit, mais enfin, ces expérimentations sur la sécurisation et ensuite sur les cellules de cancer de peau, etc., des cellules cancéreuses, mais ça aurait peut-être pu être un boost pour la recherche. Bref, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'eux. J'ai appelé la chercheuse du CNRS au moins 3 ou 4 fois. Elle m'a plus répondu. J'ai appris qu'elle était partie aux États-Unis. Et j'ai appris, j'ai découvert en lisant les études scientifiques, j'ai découvert une étude où il y a son nom, son nom figure bien, je ne vais pas dire son nom, mais son nom figure bien. Et une étude de chercheurs américains où le nom de cette femme figurait, et elle était partie juste après les informations que j'avais communiquées, moi c'est comme ça que je raisonne. Hein. Ils ont mis au point une technique de nanotechnologie avec, c'est marqué clairement en étude, avec de l'électropositivité qui avait réussi à traiter des pathologies. Ouais, t'as ouvert des portes, quoi. Je ne peux pas le prouver, j'en sais rien, mais j'ai trouvé étonnant. C'est la première fois que je vois une étude qui parle d'électropositivité basée sur des nanoparticules. Voilà. Après, bon, l'étude, elle est très complexe. Hein, voilà. Mais j'ai quand même vu, c'était bien marqué, électropositivité, nanoparticules, etc. Donc, l'électropositivité, positif. Bon, voilà, fin de l'histoire pour moi. Je me retrouve tout seul. Avec mes expérimentations à faire, sans personne. Je contacte directement l'INSERM, je m'adresse à l'INSERM, et comme je n'ai aucun diplôme scientifique, ils me disent, voilà, on pourra voir par votre demande d'expérimentation. J'écris au président Corvisol de l'Académie des sciences, qui me répond, parce que je lui dis, comme j'ai déposé deux projets à l'Académie des sciences, peut-être que je peux envisager des expérimentations, comme ça se faisait d'ailleurs au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, hein, avec, je crois que ce n'était pas Lavoisier, mais c'était... Marie-André Ampère avait fait des expériences à l'Académie des sciences. Avant, ça se faisait. Maintenant, ça ne se fait plus. Il m'a répondu une belle lettre. Il m'a répondu au moins une très belle lettre. Oui, t'as répondu. Nous n'avons plus la vocation à faire des expérimentations et puis nous n'avons plus d'argent. Donc, on est vraiment désolé. Bon, fin de l'histoire. Et puis, je me mets à chercher sur Internet quelqu'un qui pourrait donc. Je me suis réadressé au CNRS aussi. Fin de mon recevoir non plus parce que je n'ai aucun affilié dans la recherche. Voilà, toutes les portes se fermaient en fait. Hein. J'ai aussi écrit aussi à la COFRAC, qui est un organisme d'État, qui mesure les champs électromagnétiques, et ils n'avaient aucun dispositif pour mesurer et aucune accréditation pour mesurer les champs électriques au niveau des mains. Voilà, donc ça a été fermé aussi. Et voilà, donc on peut dire que maintenant,
face à ces blocages, tu vas avoir une idée. Et ton idée, ça va être comme tu ne peux pas faire réaliser donc, d'expérimentation dans ces laboratoires publics, c'est toi qui vas faire directement l'expérimentation de cicatrisation de la peau et que vas même financer. Alors, comment est-ce que tu as réussi à trouver ce laboratoire? Parce que là, tu n'avais pas de nom hein, de scientifique spécialiste. Quel protocole tu as mis en place et quels résultats tu as obtenus? Alors, j'ai trouvé sur Internet, en faisant des recherches forcenées, une jeune société qui s'appelle Lab2, L-A-B-T-2-O. J'en parle que j'ai vraiment que cette société soit connue parce qu'elle n'est pas assez à mon sens. Et qu'elle a été créée par un jeune docteur qui s'appelle Dr Guillaume Leboucher, qui est biologiste de formation, et qui lui a été formé aux États-Unis. Et l'idée de sa start-up était d'inspirer du modèle des États-Unis, considérait, lui, en France, de son observation, qu'il y avait un manque de transfert de capacité de données entre les jeunes chercheurs d'État, par exemple, et pour avoir accès à des laboratoires. Donc, il trouvait que c'était trop académique, trop formel, et donc ça ralentissait les processus de recherche. Donc, lui, sa société propose de mettre en relation des personnes qui ont des sociétés, mais même issues du milieu privé. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que vous êtes une société industrielle, vous voulez faire de la recherche, vous n'êtes pas obligé d'être chercheur pour avoir accès au plateau que lui propose de chercheur en biologie, en électromagnétisme, dans tous les domaines. Hein. Donc lui, c'est un peu comme une agence, en fait, en quelque sorte. Il a tout un choix d'éminents professeurs. Et puis, en fonction de votre demande, il va vous orienter sur un intervenant qui peut répondre à votre demande. Moi, je lui ai écrit en me disant, oui, il va faire comme les autres. Je n'ai pas de diplôme. Il va me dire, circulaire, rien à voir. Je lui ai écrit une lettre de 11 pages. Je me dis, il faut que je touche son cœur. Je lui ai écrit une lettre de 11 pages. Il s'en rappelle de ma lettre de 11 pages. Hein. Je voulais vraiment... Voilà, parce que moi, le cancer, c'est un sujet qui me concerne. Ma mère a eu un cancer. Enfin bon, bref, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et je me suis dit, si avec Clément, on peut avoir un effet, il ne faut pas se priver de ça, quoi. Et donc, je lui ai écrit un peu mon courrier dans ce sens-là. Et je lui ai dit qu'il y a d'autres expériences qui ont été faites avec Bernard Grade, et ça a été démontré que le magnétisme produisait des effets de santé. Il m'a demandé toutes les documentations scientifiques que j'avais sur le sujet. Je lui ai tout envoyé. Et puis là, un jour, le téléphone a sonné, peut-être 3 semaines après. Sa collaboratrice m'a téléphoné en me disant, voilà, monsieur Chico, on a lu tout votre dossier. Voilà, il tient la route, ça tient la route. On est prêt à vous mettre en relation avec des chercheurs pour votre expérimentation. Et par contre, c'est du financement privé. J'avais quelques économies et je me suis dit, voilà, entre m'acheter une belle voiture ou partir faire un super séjour en vacances, quand on est magnétiseur, on n'a pas beaucoup de vacances et on n'a pas beaucoup de super voitures. Et je me suis dit, autant que je mette, parce que c'est ma passion. Est-ce que Sylvain valide? Est-ce que tu as une grosse voiture et tu pars en vacances? Donc Sylvain valide. Alors ouais, bon, ça, non, on ne peut pas vraiment dire ça, quoi. On ne va pas non plus dire qu'on ne part jamais en vacances, mais voilà, il faut savoir que c'est un métier où on gagne sa vie, mais voilà, on n'est pas dans les. Voilà, faut être clair. Hein. Donc il faut vraiment aimer ce métier-là pour le faire. Hein. Maintenant, je fais des formations. Oui, bah, je gagne un peu mieux ma vie, ça c'est sûr. Mais j'ai donc décidé de mettre mes économies pour cette recherche. J'ai mis mes économies. Je me suis dit, mais en fait, j'en ai parlé avec ma femme. Je dis, écoute, là, il faut que j'aille au bout de mon rêve, en quelque sorte. Soit à la sortie, ce sera oui, ou ce sera non. Voilà. Et donc, j'ai étudié tous les protocoles qui avaient été mis en application par les précédents chercheurs. On a eu prévu que le chercheur, le docteur... Rambert, de la société Aquiderm, lui, c'est un grand spécialiste de la recherche en dermatologie. Il fait des évaluations, il est chercheur. Il travaille avec le docteur Muriel Thiriot, qui est une de ses collaboratrices, dans l'unité de Aquiderm, qui, elle, est chercheuse INSERM. Elle est de formation chercheuse INSERM. Et donc, je me dis, on se dit, le mieux, c'est de faire des expérimentations sur des cellules. Ah, c'est encore, là, c'est. Chérie, arrête avec le ballon. Des cellules de peau, vous inquiétez pas, c'est toujours un ballon qui vient d'éclater. Des cellules de peau et inspirées de l'expérimentation du professeur Bernard Grade. Donc là, c'est 5 échantillons de peau. Donc l'avantage, c'est que c'est un don d'organe. L'avantage, c'est que c'est pas un animal, et donc on peut pas suspecter un effet placebo, par exemple, parce que certains vont même jusqu'à dire que sur un animal, il peut y avoir un effet placebo. Là, ce sont des cellules de peau. Voilà. Parce que les contradicteurs, quand ils veulent contredire, ils contredisent tout, hein, même pour les animaux. Ouais, bon. Il fait placebo chez les animaux, ouais, ça paraît. Oui, non, mais bon, voilà. Bon, je veux bien, hein, restons ouverts. Voilà. On ne pourrait être que d'accord sur le sujet. Quand on est contradicteur, on peut être convaincu que la Terre est plate, même si on est scientifique. Hein. Alors, c'est un peu le sujet du magnétisme. Hein. Qu'importe les moyens, je dis souvent. Hein. Oui, voilà.
Donc, on fait cette expérimentation, elle dure 5 jours, 3 heures par jour de magnétisation, et puis à l'issue des résultats, déjà on voyait nous des modifications au cours de... chercher, il n'y a pas de... Ils disent ici, mais bon, tant que ce n'est pas fini les analyses d'examen, on ne peut rien dire. Voilà. Et il se trouve que y a, dans le rapport, il y a deux... Donc moi, je suis propriétaire du rapport, en tant que financeur privé, je suis et il m'avait dit, ce chercheur, vous savez, M. Deschicourt, s'il n'y a pas deux molécules qui sortent, je ne pourrais pas en parler, je pourrais pas communiquer dessus. S'il y a deux molécules qui sortent, ce sera incontestable, c'est que ce sera réel. C'est-à-dire, s'il n'y a qu'une molécule, ce n'est pas bon. S'il y a deux molécules, c'est incontestable. Ça a été ses propres paroles. Donc, je peux vous dire que quand vous mettez les mains au prix que ça coûte, vous voyez de l'argent défilé de vos doigts, hein, chaque minute compte, parce que on y pense aussi, hein, attention, il ne faut pas se mentir. Hein. Tu dis que ça ne coûte pas la peau des mains, quoi, ça coûte la peau d'autre chose. Quoi. Voilà. Donc, c'est aussi l'enjeu de, de toute recherche, toute découverte. À un moment donné, il faut donner de soi, quoi, et puis il faut y aller. Quoi. À la fin, on saura ou on ne saura pas. J'y vais, tac. Et puis, au bout de 5 jours, on finit. Le rapport est tombé 2 mois après. C'était pendant les vacances. Je crois que c'était juillet. C'était quelle année? C'était 2000... Non, c'était 2018. 18-19. Ouais, 18, je crois. Et donc, le rapport conclut. Il y a 2 molécules qui sont sorties, qui démontrent qu'il y a une accélération de la cicatrisation. La molécule, la protéine KI67+, et la molécule cytokine IL-6. Par contre, Arnaud, juste revenir là-dessus, parce que je t'admets que c'est pas très très clair pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que 2 molécules sortent en termes simples peut-être pour nos spectateurs, parce que j'ai du mal à comprendre le lien entre le fait qu'une molécule sorte et que ce soit un résultat, c'est une action. En fait, oui, pour la recherche, moi dans ce que j'ai compris de leurs explications, c'est que il faut qu'il y ait un condensé de molécules qui soient impliquées dans la cicatrisation pour que ce soit reconnu comme étant admissible. C'est ça. En fait, c'est des biomarqueurs, Pascal. C'est des biomarqueurs. Ce sont des molécules qui ne se créent pas elles-mêmes. Elles se créent que s'il y a une action. C'est ça. Ah oui, ok. Alors, en fait, non. Ce sont dans les processus de cicatrisation, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de ça, c'est des plaies d'environ 2 mm. Oui. Dans les phases de la cicatrisation, il y a plusieurs types de molécules qui vont être en action. Il y a par exemple les fibroblastes, qu'a mis en évidence le docteur Bernard Grade. Il y a toute une famille de cytokines. Je crois qu'il y a 11 familles de cytokines. Mais là, il y a une cytokine qui a été mise en évidence, mais comme nous l'a expliqué le chercheur, toutes les cytokines ne sont pas forcément impliquées dans le processus de cicatrisation. Parfois, il y a peut-être 2-3 cytokines. Mais ce qu'il faut, c'est que sur l'ensemble des molécules qui participent de manière naturelle à une cicatrisation, c'est qu'il y en ait au moins 2 suite à l'imposition des mains. Il faut qu'il y en ait au moins 2. Donc, le chercheur avait sélectionné donc des biomarqueurs, des molécules impliquées dans le processus de cicatrisation, et il y en a. Et pour que ce soit réel, il devait y avoir au moins 2 biomarqueurs mis en évidence. Ok, ça me paraît plus clair, effectivement. Ouais, voilà. Si certains amis spectateurs ne l'avaient pas compris aussi, voilà, au moins ça permet de comprendre. Ouais. Tout à fait. Et le résultat, alors? Alors, le résultat, c'est que les chercheurs, aujourd'hui, ont des datas avec des ordinateurs, et puis ils vont donner des étoiles. Donc, une étoile, c'est, je crois que c'est l'équivalent de l'échelle du hasard, c'est 50%. De 2 étoiles, on est au-delà de 50%, on est près de 60%. De 3 étoiles, 70, 80. Les 2 molécules ont eu 2 étoiles. 2 étoiles. Ça veut dire que chaque molécule a eu 2 étoiles. Ça veut dire qu'elles sont reconnues comme étant statistiquement significatives au niveau scientifique et au-delà, bien au-delà de l'échelle du hasard. La conclusion du chercheur, qui a donné les suites ensuite au reportage de TF1, a été de dire que, effectivement, la magnétisation a bien donné lieu à une démonstration biologique d'une amélioration des compétences du système immunitaire à croître pour améliorer la vitesse de la cicatrisation par rapport à des peaux non magnétisées. Énorme, c'était énorme, énorme. Je contacte... Et ça, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le reportage de TF1. Hein. Absolument, c'est mon reportage de TF1. Donc, j'ai appelé un ami qui était journaliste grand reporter, M. William Villemin. Et puis, grâce à lui, il m'a mis en relation. Il a vu que ce que je disais était sérieux, ça tenait la route. Il m'a mis en relation avec les responsables de l'émission de l'émission Le Mag. C'était Le Mag ou Le Mag. Ils vont donc, avec l'accord du chercheur, ils vont donc faire une interview directement à Bordeaux, hein, puisque ça s'est situé sur le site du CHU de Bordeaux. Moi, j'avais un contrat avec l'université de Bordeaux pour cette expérimentation-là. Je suis sous contrat avec eux pour l'expérimentation. Sous contrat avec l'ADERA, qui est l'Association pour le développement de l'enseignement et de la recherche en Aquitaine. Sous contrat avec le CHU de Bordeaux aussi. Voilà. Et avec Aquiderm. Donc, c'est un contrat qui est solide. Hein. Là, ce sont des institutionnels d'État. Hein.
Et ils ont accepté de faire le témoignage médiatique pour dire que ça avait été probant. Ils ne vont pas en conclure que oui, c'est l'électromagnétisme et qu'il faut plusieurs expérimentations en science, hein. Mais au moins déjà que celle-là a été probante. Oui, puis il y a quelque chose, quoi. Voilà, il y a matière. Mais ce que je trouve quand même fou dans cette histoire, Arnaud, c'est qu'au final, on se rend compte que les institutions étatiques limite t'écoutent pas parce qu'ils estiment que tu ne fais pas partie du CERA et parce que tu n'as pas les diplômes, mais que tu es obligé d'auto-financer. Ouais. Pour quelque part arriver à des résultats, quoi. C'est quand même assez, enfin, c'est frustrant, quoi, je trouve. En fait, le constat, effectivement, c'est un constat c'est décevant. Alors, quand j'ai fait des recherches pour écrire le livre Le magnétisme et la santé, les preuves scientifiques, j'avais découvert au préalable, et ça a été aussi un des déclencheurs pour que j'écrive ce livre. Je pense qu'avec Sylvain, on a eu le même déclic parce qu'on en a parlé entre nous. Il était aussi sur cette piste de mettre en avant justement les preuves scientifiques. J'ai découvert complètement par hasard, dans des recherches aux États-Unis, j'ai découvert les moteurs de recherche américains, ils sont en open source. Donc, tout le monde peut avoir accès aux plus grandes découvertes. C'est gratuit. Alors qu'en France, tout, entre guillemets, est verrouillé par l'INSERM. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un du grand public, que vous voulez avoir accès à des grandes découvertes qui ont été faites, vous n'avez pas accès, il faut un numéro de scientifique. Donc, c'est complètement bloqué, en fait. En France, C'est élitiste. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je n'ai pas, en tant que citoyen, accès aux publications scientifiques? J'ai le droit de... Pourquoi les États-Unis permettent cet accès et pourquoi en France, on n'y a pas accès? Donc, ça veut dire que le grand public, c'est la plèbe et qu'il n'y a que les gens reconnus... Non, mais on va dire ça, hein, que les gens reconnus comme scientifiques, c'est-à-dire reconnus par leur père. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut développer des choses qui leur conviennent. Enfin, c'est un circuit fermé, quoi. C'est du tout... Enfin voilà, moi c'est la réflexion qui me vient quand j'entends ton témoignage, hein, très honnêtement. On pourrait en débattre longtemps. Bien sûr qu'il y a une stratégie derrière. Bien sûr qu'il y a une stratégie. Bon, plus on a de connaissances, moins on est apte à pouvoir être poreux à des informations. Moins on a de connaissances et plus on est poreux. Voilà. Et donc, aux États-Unis, il y a quand même, il y a aussi des notions de bien et d'être pour les Américains et contre. On ne va pas rentrer dans ces débats-là, mais au moins en médecine, ils mettent en évidence les données scientifiques officielles, mais qui viennent du monde entier. C'est en open source. Vous tapez PubMed, P-U-B-M-E-D, vous avez accès à toutes les recherches. Et j'ai donc, vraiment par hasard, je tapais magnétisme, recherche en magnétisme, je ne trouvais rien aux États-Unis. Et puis un jour, je découvre un mot-clé qui s'appelle Therapeutic Touch, Biofield, et là, c'est un océan de preuves que j'ai découvert. Therapeutic Touch, c'est le même nom, c'est le nom américain pour parler d'imposition des mains et de l'énergie. Hein. Nous, c'est magnétisme, aux États-Unis, ils parlent de Therapeutic Touch. Hein. Ils sont déjà dans une démarche de thérapie, alors voilà, ils sont quand même très avancés. Absolument. Et donc, je découvre des centaines d'études qui ont été faites en laboratoire, avec des expériences in vivo, comme moi j'ai fait, et in vitro. Des essais cliniques sur des personnes. Et il se trouve qu'il y a une des plus grandes études qui a été menée par le professeur Crawford, qui porte le même nom que le mannequin, Cindy Crawford, d'ailleurs, le professeur Crawford. Moi, je veux bien me faire imposer les mains par Cindy. avec le docteur Wayne Jonas, on fait une publication, ce qui s'appelle une étude en méta-analyse, depuis 1955 jusqu'en 2000, Gilles Sylvain, tu vas peut-être m'aider, en 2015, je crois, ou 2014, de 1955 jusqu'à 2014, ils ont répertorié toutes les études scientifiques qui ont été faites sur les mains, donc plusieurs centaines. Ils ont gardé que les études les plus sérieuses faites en ECR, en essais contrôlés randomisés, donc qui sont incontestables du point de vue scientifique, et ils ont découvert que ils en ont conservé au final 90, 45 études. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait aussi des expérimentations à distance, hein, sur les soins de guérison à distance. Et il se trouve que par imposition des mains ou à distance, les taux de réussite moyens sont de l'ordre de 85%. Voilà. Et donc, cette étude conclut, c'est des professeurs, conclut, aujourd'hui, ce n'est plus la question de savoir si il y a de l'énergie au niveau des mains. Oui, il y en a. Oui, ça a des effets de potentialisation des molécules. Oui, ça, c'est clair. Maintenant, la question est de changer les mentalités. Ce n'est plus de prouver, il y a les preuves. Il faut maintenant changer les mentalités. Et mieux que ça encore, aux États-Unis, vous avez deux départements, le NIH, le National Institute of Health, et le NCCIH, qui est le département, on va dire, binaire du NIH, qui, lui, est considéré comme étant
de la mise en avant de tout ce qui est médicament issu de l'allopathie. Donc le NIH répertorie toutes les expériences qui ont été faites en laboratoire et qui sont prouvées scientifiquement. Il faut savoir que les États-Unis sont un des pays les plus drastiques en termes de reconnaissance, hein, il faut le savoir. Le niveau de la recherche là-bas, ils sont placés premiers au niveau mondial, hein, en termes de recherche, et ils sont très durs, très très durs, hein, pour avoir les accréditations, c'est très très dur. Et donc le NIH considère que toutes les approches qui font la démonstration de leurs preuves scientifiques, qu'elles soient des approches médicamenteuses, qu'elles soient manuelles, qu'elles soient énergétiques, dès lors où elles font la démonstration de leurs preuves scientifiques, doivent être considérées comme étant des outils d'intervention médicale. Donc, au NIH, vous avez tout ce qui est d'origine allopathique, les médicaments qui ont donc fait leurs preuves sur la base de ce qu'ils appellent la base Evidence Medicine, et vous avez l'autre département, qui s'appelle le NCCIH, qui, lui, est pour les approches non médicamenteuses, les approches manuelles, énergétiques, etc. Et oui, qui... complémentaires. Approche complémentaire, voilà, complémentaire, mais non médicamenteuse. Oui. Mais non les INM, interventions non médicamenteuses. Et donc, vous avez dans cette branche, eh bien, l'énergétique avec les mains, y figurant, sur la base de preuves scientifiques. Voilà. Bon, ben, l'État de New York reconnaît, s'est enseigné, je crois, auprès de 200 universités médicales, par des vrais médecins, des vrais professeurs, notamment en oncologie. Soins en sérologie. Hein. Oncologie, en général, c'est pas juste une foulure, quoi. C'est... Voilà. Voilà. Il y a beaucoup d'expérimentations en laboratoire qui démontrent que ça favorise effectivement la régression de nombreuses cellules tumorales. Hein. Mais il faudrait aller aussi explorer beaucoup plus loin. Il peut, par exemple, moi j'ai appris avec les chercheurs, notamment le docteur Muriel Thiriot, qui travaille avec le docteur, qui est les chercheurs d'Inserm. J'avais évoqué cette électricité des mains, etc. Elle n'a jamais contesté, bien sûr, mais elle ne m'a jamais confirmé non plus. Mais elle me dit, vous savez, l'électricité, parfois, ça peut aussi augmenter la prolifération des cellules tumorales. C'est-à-dire qu'il y a certaines formes de cancer qui se nourrissent d'activité électrique. Et moi, quand j'ai appris ça, d'autres, au contraire, vont être dépotentialisés par l'activité des mains, mais d'autres vont être potentialisés par l'activité électrique des mains. Donc, moi, j'ai tout de suite arrêté. Ouais. J'ai pas la compétence pour savoir quel est le cancer qui va proliférer avec l'activité électrique, avec les millivolts qu'on a au bout des doigts, ou celui qui va régresser. Donc, hop, là, je... Ouais, c'est... Voilà. Et tu cours. Et donc, aux États-Unis, c'est reconnu et c'est enseigné auprès de plus de 200 000 infirmières d'État. Gouvernementale. Je ne sais pas si on imagine 200 000 infirmières d'État qui pratiquent le therapeutic touch, hein, donc les techniques d'imposition des mains, voilà, par l'énergétique. C'est une science officielle aux États-Unis. Hein. Et malgré le fait que ce soit officiel aux États-Unis, il y a toujours un petit courant là-bas quand même qui conteste les recherches scientifiques. Hein. Quand on est contradicteur, on est contradicteur jusqu'au bout. Alors, je vais vous parler d'une expérience intéressante, justement, si j'ai le temps. Hein, j'ai le temps. Oui, bien sûr. En France, nous, on a eu la commission Lavoisier. Tu peux en parler, Sylvain, maintenant ? Oui, alors je vais juste résumer pour qu'on suive bien le fil. Donc, on voit que toi, donc tu conduis ton expérimentation en France. Elle ne débouche pas, donc malheureusement, sur un intérêt très marqué au niveau institutionnel, hein, au niveau de l'ICERM ou autre. Ouais. Parallèlement, donc, tu découvres toute cette masse documentaire et de recherche accessible en open source aux États-Unis, hein, qui montre que le magnétisme, donc sous le terme therapeutic touch ou biofield, a donc bien des effets qui ont été mesurés, qui sont documentés, ouais. Qui font l'objet de dizaines, voire de centaines de publications, dans des revues à comité de lecture, qui montrent qui a des effets qui vont au-delà de l'effet placebo. Ah oui, bien au-delà. Oui. Donc voilà, c'est vraiment un aspect qui m'a réjoui quand j'ai découvert ton livre, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait avancé de manière parallèle, toi depuis des années, en cherchant, en expérimentant, en découvrant, en te heurtant à tous ces obstacles, et de mon côté, beaucoup plus récemment, parce que ça faisait que 2 ans, que je cherchais, que j'ai trouvé les mêmes bases de données que toi aux États-Unis en open source, qui montraient bon, par exemple plus de 400 études, avec ceux du therapeutic touch, mais d'autres, il y a aussi le healing touch, il y a aussi les chambiophiles, voilà, il y a aussi donc la guérison à distance, il y a aussi le Reiki, le Jorai, etc. Donc il y a toute une série donc de, on va dire, de modalités qui ont été étudiées. Qui montre des effets, même si pour un grand nombre d'études, alors la conclusion fait part d'un besoin d'approfondir. Hein, souvent, on remarque. C'est déjà ça.
Mais voilà. C'est déjà... alors, bien sûr, on remarque en effet avec un besoin d'approfondissement. Sylvain, alors, te fais pas, et je m'excuse, ne te fais pas avoir avec ces petites phrases de « il faudrait approfondir ». Alors ça, c'est le grand truc en France. Tu as des études qui, clairement, qui montrent que c'est vrai, mais quand c'est un domaine qui n'arrange pas trop les institutionnels, ça manque d'approfondissement. Il y a eu plus de 90 études en méta-analyse dans les conditions les plus draconiennes qui mettent en évidence qu'il y a des modifications de cellules par des professeurs. Le docteur Joan Turner, tu as lu cette étude, c'est quand même une femme, c'est une très grande chercheuse qui a été mandatée par le gouvernement du département militaire américain, c'est quand même pas rien. Ah, d'accord, oui. Les militaires aussi s'y mettent. Ouais. Bien sûr. Les militaires utilisent la technique énergétique. Et pourquoi ? Par rapport aux grands brûlés ou à ceux qui sont victimes de traumatismes dans les guerres. Et donc, il faut savoir que les chercheurs américains, dans le département militaire, c'est l'équivalent des polytechniciens. C'est-à-dire qu'ils prennent les meilleurs chercheurs au monde. Ils prennent les meilleurs chercheurs au niveau militaire. Nous, en France, c'est Polytechnique. Hein. Bien, eux, ils prennent c'est Polytechnique aussi. Hein. C'est MIT et compagnie. C'est un chercheur militaire, ils prennent les plus grosses, entre guillemets, pointures du domaine de la recherche. Donc, l'étude qui a été financée par le département militaire américain, l'étude de Dr. Joan Turner, qui figure en page, je mentionne la source de cette publication dans mon livre, explique qu'elle a fait une étude, donc avec ses chercheurs, ses polytechniciens, qui démontrent en conclusion que l'imposition des mains a trois effets. Le premier sur l'anxiété, donc il y a des échelles qui permettent de mesurer l'anxiété, ça a des effets sur l'anxiété, donc ça fait diminuer le stress, mais au niveau scientifique, pas au niveau placebo, au niveau scientifique. Deuxième effet, antidouleur, ça enlève les douleurs, ça diminue fortement les douleurs, dans certains cas, ça enlève les douleurs complètement. Ça, c'est le deuxième effet scientifique par l'équipe de recherche du docteur Joan Turner. Et troisièmement, ça potentialise les lymphocytes des personnes qui ont été brûlées. Voilà. C'est une étude qui est publiée, qui est officielle. En fait, il n'y a même aucun débat là-dessus. L'étude n'a jamais été retirée pour faute grave ou je ne sais quoi, puisque là, ça a été fait par des gens d'une incontestabilité en termes de recherche scientifique. Mais il n'y a pas que cette étude-là. Il y a aussi les docteurs du docteur Quinn, aussi, qui est une référence aux États-Unis. Il y a d'innombrables études qui montrent que des publications dans Elsevier, par exemple, j'ai le nom là, de l'étude du professeur André-Louis Thomas de Souza, qui en 2017 fait une publication, il fait de la magnétisation sur des rats avec un magnétiseur, et il observe qu'il y a une prolifération des fibroblastes. Il publie sa découverte, donc il a, lui, mis en évidence une molécule qui est statistiquement significative. C'est publié dans la revue Elsevier, qui, au passage, Elsevier possède Lancet, hein, au passage, hein. Enfin, je crois. Hein. Donc, c'est une des plus prestigieuses revues internationales et qui explique que cette publication-là démontre qu'après imposition des mains, fibroblast est potentialisé sur des souris. Donc, des études comme ça, dans le livre, il y en a à foison, à foison, à foison. Oui. Donc, on ne peut plus dire qu'il faudrait approfondir. Ce qu'il faudrait approfondir, effectivement, c'est maintenant dans quel type de domaine de maladie. Oui, mais ce n'est pas dit comme ça, Sylvain, dans les règles. Par exemple, tiens, sur les zones, tiens, par exemple, sur les cancers, et quelle forme de cancer. Oui, mais si on approfondit, mais que déjà en amont, on reconnaît qu'il y a une efficacité, mais qu'on va approfondir maintenant sur les thèmes de maladie, que ça peut avoir un effet. Ça sont très ciblés, oui, effectivement. Ce qui n'est pas le cas. C'est pour voilà, donc, un petit doute dans l'esprit des gens, bah oui, il n'y a pas d'effet, ou en haut c'est placebo, ou non. Et même celui qui a mis au point l'échelle de placebo, qui s'appelle Roger, l'effet rogérien. Aux États-Unis, c'est enseigné en France, c'est enseigné aussi l'effet rogérien. L'effet rogérien est l'étude d'évaluation statistique qui permet de mesurer s'il y a un effet placebo ou pas. Les contradicteurs en France du magnétisme vont dire que, en fait, les effets qui sont obtenus, c'est par effet rogérien. Moi, j'ai lu ça. Les contradicteurs disent que c'est un effet rogérien. C'est quoi l'effet rogérien ? C'est le fait qu'il y ait des mimiques faciales entre deux sujets, donc un magnétiseur et un malade. Et les mimiques faciales, là, par exemple, là, je fais des mimiques faciales quand je vous parle, etc. Et le fait qu'il y ait ce rapport aussi psychologique avec une autorité qui est censée soigner, hein, dans ce qui est dit pour les contradicteurs, parce que nous, on est censé soigner, c'est-à-dire qu'on ne soigne pas. Et avec un malade, eh bien, ces mimiques faciales vont créer chez le sujet qui vient nous voir un état de sécurité intérieure, par la bienveillance, la compassion, et que ça. Au niveau placebo, il va potentialiser des molécules qui vont favoriser sa guérison, mais qu'en aucun cas, il n'y a un transfert d'énergie. L'énergie n'existe pas chez les contradicteurs. Sauf que ce qu'ils oublient de dire, c'est que moi, j'ai été voir, justement, j'ai lu leurs contradictions, et qu'est-ce que j'ai été voir ? C'est que l'effet rogérien a été évalué
par Roger lui-même avec des magnétiseurs, des énergéticiens. Et ce qu'il dit, c'est que lorsque je fais mon protocole rogerien pour vérifier s'il n'y a pas un effet rogerien, donc un effet placebo dans la modification des cellules, j'observe qu'il y a bien un réel transfert d'énergie et qu'il n'y a pas d'effet rogerien au niveau du magnétisme, de l'énergie des mains. Il y a un réel transfert d'énergie. Donc, tous ceux qui avancent en France l'effet rogerien ne citent pas l'expérimentation de Roger lui-même qui dit qu'il n'y a pas d'effet rogerien, c'est qu'il y a bien une transmission d'énergie. Et Arnaud, quand bien même, ce qui est important, c'est que ça marche. Enfin, c'est ça, moi, qui me... Tu vois, alors, c'est ça, moi, qui... D'accord. Pascal, on est bien d'accord. Maintenant, demain, tu as un enfant. Je ne connais pas ta vie de famille, mais tu as une petite fille et tu viens d'un milieu très rationnel. D'accord. On te dit qu'il ne faut n'écouter que ceux qui te disent que ça marche et ça ne marche pas. Maintenant, allez, ta fille, elle grandit, elle a 25 ans et elle a un zona. Quand tu verras comme moi des gens arriver, comme j'en ai vu à mon cabinet, le zona, je ne connaissais pas cette pathologie au début. J'ai vu des femmes arriver chez moi avec le visage complètement enfoncé, la moitié du visage enfoncé. Parce que le zona, quand il n'est pas traité, il ronge tous les nerfs, il va ronger tous les os du visage. Il y en a qui se suicident avec un zona ou qui perdent leur vue, qui deviennent aveugles avec un zona. Tout le visage enfoncé. Et que tu te dis, cette femme est venue après tous les dégâts que le zona lui a causés, parce qu'elle a bien sûr suivi la procédure allopathique, puisque c'est la procédure officielle. Moi, quand j'ai vu ça, moi, je connais les taux statistiques moyens des magnétiseurs. En moyenne, c'est 80% taux de réussite. Donc, c'est quand même très, très important. Quand même. Et, voilà. Et si donc, au niveau rationnel, on t'avait dit dès le départ, écoutez, vous avez un zona. Le Zelitrex, le médicament, il a un taux de réussite de 30%, je crois, à peu près. Hein. Nous, les magnétiseurs, en moyenne, 80% de taux de réussite. En moyenne. Hein. En moyenne. Oui, c'est pas... C'est énorme. Peut-être que cette femme, elle n'aurait pas eu le visage comme ça. En plus, je me rappelle, elle a un an d'arrêt de travail, un peu handicapée à vie maintenant. On lui aurait dit, vous voyez, c'est officiel, c'est de la science, ça a des effets. Et c'est pour ça que je ne me contente pas du discours juste de dire, oui, mais après tout, Arnaud, reste dans ton cabinet, fais tes formations, et puis non. Si quand je reçois quelqu'un, c'est ma fille, mon père ou ma mère, je me dis aussi mais que la personne qui a le visage complètement défiguré, aussi ma mère, et que si on lui avait dit que ça marchait, que c'était officiel, elle serait venue, cette femme-là. Et c'est ça le message qu'il faut faire aussi passer, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir accès à, notre mode d'intervention, pathologie très, au niveau très efficace et sans effet secondaire, que c'est pas normal de se contenter de rester dans notre petit coin en disant, après tout, j'ai ma clientèle, je fais mes soins. Oui, voilà, ça reste un peu oui, confidentiel. Après, il y a la vérité, il y a la science. Là, c'est prouvé scientifiquement au niveau des mains. Il y a des modifications qui apportent des résultats sur des tas de problèmes de santé. Et donc, en France, on considère que s'il y a une preuve, ça doit figurer dans la nomenclature de la sécurité sociale, parce que c'est sur la base des preuves scientifiques. Là, en magnétisme, avec les travaux aux États-Unis, etc., il n'y en a pas qu'une. Il y en a des centaines de centaines. On va juste respecter la science. Voilà. Alors justement, avec toutes ces preuves scientifiques là, notamment américaines, qui s'accumulent, on pourrait vraiment s'attendre à ce que les techniques d'imposition des mains, elles soient généralisées. Voilà, mais malheureusement, elles sont encore taxées d'être des fake médecines illusoires pratiquées dans certains cas par des charlatans. Ça, Sylvain, est-ce que ça c'est une question que je vous pose à vous deux qui êtes dans ce domaine d'activité professionnelle. Est-ce que toutes les personnes qui se disent magnétiseurs sont compétentes, formées à minima? Je pose la question parce qu'effectivement, c'est l'image que ça peut donner. Est-ce qu'il n'y a pas un ménage à faire au niveau de la profession aussi? C'est une vraie question, j'en sais rien en fait. Sylvain, tu m'autorises à répondre? Bien sûr. Tu veux répondre. Alors, moi, j'ai fait une enquête très sérieuse sur justement ce qu'on appelle les charlatans. C'est le mot qui revient sans arrêt. Moi, parfois, on m'appelle le sorcier. C'est autre chose. Charlatan et sorcier, c'est pas pareil. Hein, ouais, mais bon, c'est pas tellement. On dira pas ça à un médecin qui est sorcier. Quoi. Enfin, il y a quand même toujours une petite connotation comme ça, un peu passéiste. Folklorique. Donc, j'ai fait une recherche. J'ai été voir les statistiques de la Miviludes, se pose en tant que. Avec les moyens qu'ils ont. C'est-à-dire pas grand-chose, hein, en plus. Bon, et j'ai été voir le nombre de condamnations en un siècle dans notre profession, chez les magnétiseurs. Je vois que magnétiseur, c'est classé dans la partie secte. Et je découvre aussi que médecine alternative, donc la phytothérapie, la naturopathie, c'est classé dans les sectes aussi. Hein.
C'est marqué comme ça dans leur site. Hein. C'est le site gouvernemental quand même de dire que la phytothérapie est une secte, que les médecines naturelles sont des sectes. Qui fait ce classement? Qui fait ce classement? Je vois magnétisme. Alors, il y a marqué magnétisme et voyance, ce qui n'aurait strictement rien à voir. Ça paraît pas, oui. Non, oui, mais, vous comprenez, cette articulation subtile pour faire comprendre qu'il ne faut vraiment pas y aller. Quoi, hein. Magnétisme et voyance, tu mets magnétisme, et puis en dessous, tu mets médium. C'est pas pareil. Médium, voyance. Pas pour les mêmes raisons, quoi. Enfin, ouais, pas pour les mêmes raisons. Voilà. Mmh. Ceux qui veulent connaître leur avenir ou leur passé, ils vont aller chez le médium, pas chez le magnétiseur. Donc, ce classement, déjà, il est un petit peu, il est un peu rocambolesque. Parce qu'au-delà de ça, Arnaud Sylvain, demain, je me dis, tiens, j'ai quelqu'un, il a plus mal à la tête parce que je lui ai imposé les mains. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir mon cabinet en disant je suis magnétiseur? Est-ce qu'il y a une formation, une reconnaissance interne? Enfin, voilà, des choses comme ça, quoi. Est-ce que ça existe aujourd'hui? Alors, déjà, je voulais finir sur les condamnations. Il y a eu 10 condamnations, je crois, à peu près, en un siècle. Et encore, sur les 10 condamnations, c'est 8 condamnations pour exercice illégal de la médecine. Ça veut dire qu'en fait, tu as le magnétiseur qui soigne, mais comme il a été dénoncé par un médecin, il est condamné parce qu'il utilise le magnétisme et que peut-être qu'il a dit à quelqu'un d'arrêter son traitement. Peut-être. Ce n'est pas précisé dans les condamnations. Oui, d'accord, ouais. 10 en un siècle. Ça fait pas lourd. Eh ben, va voir maintenant les chiffres de certaines corporations en France et regarde le nombre de condamnations dans des délits thérapeutiques, je ne vais pas dire quel ordre, mais bon, ben regarde, par an, tu vois le chiffre, c'est astronomique. Donc, en toute chose, bonne mesure, en fait. Hein, voilà. Donc, si on était, comme dans notre profession, à savoir aussi, en fait, on a beaucoup de probité. Moi, tous ceux que je connais, ce n'est pas des charlatans, c'est des gens qui ont à cœur de vouloir soigner les autres. Les accidents, j'ai été voir le nombre d'accidents, allez, c'est peut-être 5 ou 6 par an, c'est toujours un de trop, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Allons voir aussi les accidents, mais évaluons les bénéfices. Il n'y a aucune étude qui montre les bénéfices, comme aime bien le dire la médecine, bénéfice risque avec le magnétisme. Si on fait la somme des bénéfices, ça va être sur les 0 à 100, ça va être à 95, et les risques, ça va être à 0,1%. Voilà. Donc, on pourrait aussi nous officialiser à ce titre-là, vu le nombre de gens qu'on soigne tous les ans. Chaque magnétiseur, autant qu'on est, on soigne des milliers et des milliers de personnes tous les ans. C'est des millions par an sur la somme des magnétiseurs, des millions. Donc, il y a des fois, je me dis, dans une tentative d'ego un peu, on devrait avoir une médaille. Mais celle qu'on a, c'est en chocolat, et voire c'est en prison en plus. Hein. Arnaud, c'est une médecine qui a traversé les siècles. Avant, on disait les rebouteux, on disait... Ouais. Voilà, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et ça existe même peut-être avant la médecine, quand même. Alors, ça existe depuis longtemps. Alors, en même temps, ce qu'on voit à travers ton témoignage, à travers d'autres biographies, c'est que donc, le magnétisme reste stigmatisé. On va dire ça comme ça, hein, comme d'autres sujets, Pascal, qu'on connaît très bien. Ça reste stigmatisé. On voit qu'il y a quand même... Tu as parlé des détracteurs, c'est vrai. Il y a des détracteurs qui, systématiquement, quand il y a une étude, vont en minimiser la portée, vont chercher à faire des contre-études sur des moyens aussi qui peuvent être, enfin, avec des protocoles qui peuvent être vraiment biaisés. Donc, on voit que dans certains cas, il y a, on va dire, des groupes de personnes qui vont s'opposer au développement du magnétisme, hein, qui utilisent vraiment des techniques. Et il y a aussi des précédents dans l'histoire. Alors, dans ton livre, sans donner tous les détails maintenant, dans ton livre aussi, tu reviens sur le cas de la commission Lavoisier, voilà, hein, qui a dénoncé le magnétisme à un moment. Pour revenir donc aujourd'hui, donc au XXIe siècle, on voit qu'il y a de nombreuses études qui ont été réalisées dans des laboratoires. Donc toi-même, tu as fait des expériences. Il y a un certain nombre donc d'essais cliniques randomisés, contrôlés, double aveugle. Tu en donnes quand même beaucoup dans ton livre. Hein. Ton livre est vraiment généreux. Il y a à peu près, il contient à peu près 200 publications, 15 études complémentaires, 40 références. Dans toute cette masse documentaire, est-ce que tu as l'impression que, on voit que certains pays sont plus à la pointe, en particulier les États-Unis sur la recherche, mais est-ce que tous les sujets ont été évalués et est-ce qu'il y aurait d'autres sujets qui seraient étudiés en priorité? Alors, tous les sujets n'ont pas été évalués. J'ai moi-même eu beaucoup de mal à trouver les thèmes des pathologies. On sait que la recherche sait maintenant que ça modifie effectivement des molécules dans le sens de la potentialisation des effets de santé. Ce qui est moins notifié, c'est un champ de recherche
par pathologie. Là, effectivement, il faut savoir qu'il n'y a quasiment pas d'investisseurs hein, pour ce type de recherche. Parce que ce qui est encore le plus prolifique en termes de financiers, c'est la recherche industrielle qui concerne le monde de l'allopathie, c'est les médicaments. Sur les mains, on ne peut pas déposer de brevet. Donc, il y a très peu de personnes qui sont intéressées à financer ce genre d'études, parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner avec les mains? Bah, rien, en fait. Hein. Une industrie ne peut rien gagner. Autant une personne peut à peu près gagner sa vie, mais on peut pas, enfin, tu ne peux pas créer des mains qui vont faire que, quoi. Voilà. Enfin, si Non, tu... voilà. Ah. Non. Certains peuvent voir ça comme étant d'ailleurs aussi une concurrence hein, à l'industrie pharmaceutique. Parce que dans la recherche, il ne faut pas se mentir, on parle de recherche, mais il faut savoir que derrière, ça coûte très très cher. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et lorsque dans la recherche, il y a des recherches qui sont menées, derrière, il y a des investisseurs qui veulent une rentabilité. Quel est le chercheur assez fou en France pour aller faire des recherches sur les mains en laboratoire, vu le prix que ça coûte, en temps, en analyse, alors qu'à la sortie, il ne va rien gagner? Voilà. Moi, je trouve que ceux qui ont fait ça aux États-Unis sont méritants parce qu'en en fait, ils n'ont rien à gagner, quoi. Et ils ont fait ça parce que ce sont des véritables chercheurs et qu'ils avaient peut-être du temps, peut-être des laboratoires, qui prennent ça sur leur temps de travail, peut-être aussi, comme le faisait le professeur Bernard Grade. Ils ont découvert que ça améliorait le développement des ostéocytes, par exemple. Ils ont découvert aussi que ça, 0,7 millivolts, 7 millièmes de volts, va potentialiser la croissance des nerfs. 7 millièmes de volts. Donc là, maintenant, j'ai une pile dans mon appareil, on va pouvoir voir le voltage. En cancérologie, il y a eu des expériences qui ont été faites aussi, qui démontrent qu'effectivement, dans de nombreux cas de cancer, ça a une action de ralentissement de la prolifération tumorale. Voilà, je ne suis pas de mémoire, toutes les blessures, les plaies, il faut savoir qu'en France, par exemple, c'est des milliers de personnes chaque année qui ne cicatrisent pas, qui font de l'hémophilie, qui vont décéder parce qu'elles font des infections. Alors que nous, avec les mains, on a une compétence pour interrompre cette hémophilie. On le vérifie régulièrement dans nos cabinets. Les expériences que j'ai faites dans le laboratoire à Bordeaux démontrent clairement qu'on agit sur la cicatrisation. Donc, il y a plein de champs de recherche qui pourraient... Là, il faut vraiment être, moi, je dirais, dans l'humain. Ça ne rapporte rien, mais bah, tiens, on va faire venir un magnétiseur, il ne coûte pas trop cher en plus, et puis on va le faire magnétiser des gens qui... Ouais. Mais c'est pas un peu ça aussi le sens d'être utile, d'être d'être utile et de se dire on soigne les autres, c'est notre utilité. C'est sûr. Avoir une place dans la société qui est de soulager les autres, c'est pas mal pour l'ego, oui. Je trouve aussi. Faire du bien et soulager la douleur. Mmh. Arnaud, voilà. tu as aussi donc fait une expérimentation justement sur les brûlures. Voilà. Donc, oui. Tu en as fait une sur la cicatrisation, l'autre sur les brûlures. C'est aussi un sujet qui pourrait être plus approfondi. Alors, on ne reviendra pas en détail. Tu commentes également ton étude dans le livre. Donc, on approche de la conclusion. On pourrait dire que... Alors, on constate voilà, que les chercheurs, les scientifiques... Je n'ai pas parlé de Lavoisier encore. Hein. J'aurais en parlé de Lavoisier. Alors, on constate que les chercheurs, les scientifiques français sont jusqu'à maintenant peu présents hein, sur le magnétisme. C'est principalement des chercheurs, entre autres, américains. Comment mobiliser, justement, comment mobiliser les chercheurs et les scientifiques à s'intéresser sérieusement à ce sujet? Toi-même, donc, tu as fait des tentatives, malheureusement, qui n'ont pas abouti. Est-ce que le magnétisme, il semblerait qu'il y ait des pistes, peut intégrer le domaine des interventions non médicamenteuses, hein, les INM? Et d'après toi, quels seraient les moyens, justement, qui permettraient aux chercheurs, aux scientifiques de mettre en place des évaluations ou des expérimentations? Alors, question intéressante, et puis on en a déjà parlé entre nous, si je peux me permettre de le dire, on en a déjà parlé entre nous. Bien sûr. Mais moi, j'ai... Je ne peux pas dire que toutes les démarches que je fais ne trouvent pas d'écho. J'ai envoyé mon livre à plus de 10 chercheurs, à 10 députés. J'ai reçu aucune réponse. Si, il y a un grand chercheur en cancérologie à qui j'ai envoyé mon livre. Là, c'est le livre « Magnétisme et santé, les preuves scientifiques » aux éditions Symbiose. Et c'est un grand monsieur, je ne vais pas dire son nom, mais c'est un grand monsieur de la cancérologie. Et puis, il s'intéresse au magnétisme. Il a fait des déclarations publiques dans des revues, comme le Figaro, je crois, où il dit que ses patientes, lorsqu'il les recommande à un magnétiseur, il voit bien qu'il y a des effets de santé, notamment pour les radiothérapies. Et il communique en disant, il doit y avoir quelque chose.
qui permettent justement ces améliorations de santé pour les radiothérapies. Donc elle dit, mes patientes ne sont pas folles, je vois bien qu'elles vont mieux. Après, moi, je fais des mesures, je vois bien qu'elles vont mieux. Alors moi, tout fier de me dire, bah, j'ai peut-être lui expliquer à ce monsieur, en gros, pourquoi, mais de manière modeste, hein, pas du tout pour... Mais puisqu'il pose l'interrogation dans le Figaro en disant, je serais intéressé de comprendre ce qui se passe, parce que ça reste un mystère. Donc moi, je me suis autorisé à lui envoyer mon livre avec une lettre très gentille, en lui disant, voilà, ce serait peut-être intéressant pour la recherche en cancérologie, vous êtes un grand nom de la cancérologie, ce serait peut-être intéressant de faire des recherches, d'investigations à partir de mes travaux, de voir, je lui ai envoyé mes deux études expérientielles, il démontre 5 molécules avec 2 étoiles, hein, 5 molécules avec 2 étoiles. C'est pas rien quand même. Hein. Et donc, en fait, il m'a répondu sur son ordonnance, je vous remercie de l'envoi des livres, c'est très sympathique de votre part, je vais me plonger dans la lecture, et puis je vous ferai mon retour. Et puis, 15 jours après ou 3 semaines après, je reçois dans ma boîte aux lettres un colis avec mon livre à l'intérieur et les 2 études expérimentales avec un mot en disant « Je pense que ce livre intéressera certainement d'autres personnes, cher monsieur, cordialement. » C'était cordial, hein, quand même. Mais il m'a renvoyé mon livre avec mes 2 études expérimentales. Non, mais d'accord, c'est vraiment dire « je veux pas te sacher, moi, quoi, en gros. » Ah, moi, je l'ai interprété comme ça. De manière ah ouais, c'est... J'ai même vécu ça avec une certaine forme de violence, parce que... oui, c'est... Bon, j'aurais préféré qu'il garde le livre et puis qu'il le donne à quelqu'un d'autre, peut-être. Mais là, oui, il... voilà, mais te le renvoyer, ça... Avec un mot, je pense que ce livre-là... Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête. Il aurait pu me téléphoner pour me dire, peut-être qu'il considère que moi, je ne suis pas un scientifique et que donc, vous savez, il y a des scientifiques qui considèrent que si vous ne l'êtes pas, on ne parle même pas avec vous. On va parler à partir d'un certain niveau. Hein. On est ingénieur, on communique entre nous. On est professeur, on communique entre nous. Si vous êtes professeur qui est un docteur, je ne communique même pas avec toi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Heureusement, tous les ingénieurs ne sont pas comme ça. Heureusement, tous les professeurs ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui ont au moins cette noblesse de cœur de se dire on peut échanger et on peut apprendre de n'importe qui, parfois sur un détail, qu'on va trouver les différences. Voilà. Mais bon, ça, c'est une disposition mentale. On ne peut pas l'enseigner. Hein. Hélas, mais ça ne fait pas du bien. Alors, on ne peut pas l'enseigner. Je me demande justement si on enseigne ou pas. Oui, alors, quelque part. Ça s'appelle enseigner la modestie et l'humilité. Voilà. Mais je me demande si on n'enseigne pas une certaine culture de l'élitisme. Quoi. Voilà. Hein. Bon. Mais ça, c'est. Bon. C'est une grande chose. Donc, en revanche, il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Grégory Nino, je vais le citer, hein, le professeur Grégory Nino, qui est responsable, suite à un rapport de l'Académie des sciences de 2019, qui milite, ce rapport-là est assez étonnant, dans la mesure où il milite pour la reconnaissance des approches non médicamenteuses. Ça tombe bien, on en fait partie. Et donc, pour la phytothérapie, pour les plantes, pour les approches manuelles non médicamenteuses. Et le professeur Grégory Nino a été nommé en France comme étant le chef de file de la reconnaissance des approches non médicamenteuses, parce qu'il y a une très forte demande de la part de la population française hein, pour les approches non médicamenteuses. Et c'est lui qui est chargé de faire les évaluations des approches non médicamenteuses. Il a écrit d'ailleurs un livre hein, qui s'appelle son livre, c'est 100 approches non médicamenteuses et prouvées par la science. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, il y a l'hypnose, il y a l'acupuncture. Voilà. Donc, j'aurais été agréablement surpris d'y voir le magnétisme, il n'y figure pas. Donc, moi, je me suis autorisé à lui écrire et puis à lui dire voilà, monsieur Grégory Nino, professeur, sachez qu'aux États-Unis, il y a des recherches qui ont été faites sur le magnétisme qui prouvent au niveau scientifique que ça a des effets de santé. Je lui ai fait parvenir les études. Je lui ai fait parvenir aussi mes propres études expérimentales. Eh bien, à ma grande surprise, ce monsieur, il m'a répondu. Ce professeur m'a répondu et il m'a dit, écoutez, merci infiniment pour les envois des dossiers. Si le magnétisme peut être reconnu, s'il rentre dans les critères qui fassent qu'on puisse le reconnaître en tant qu'approche non médicamenteuse basée sur des preuves scientifiques, il n'y a aucune raison que le magnétisme n'en fasse pas partie. Voilà. Et donc, il tient compte aujourd'hui, il m'a démontré qu'il avait envoyé en pièce jointe à des tas de chercheurs du CNRS mes études et puis celles qui sont américaines, pas que les miennes, hein, il y a mais aussi toutes les autres, et qu'une de ces chercheuses du CNRS m'a répondu en me disant, voilà, monsieur, nous sommes en train d'étudier l'ensemble des publications que nous ne connaissions pas sur le magnétisme. C'est-à-dire à quel point il y a un retard, même au plus haut niveau. Ils n'ont pas accès eux-mêmes, les professionnels n'ont pas accès à ces recherches aux États-Unis. Et c'est en train d'être corrigé par le professeur Grégory Nino, justement, qui lui-même dit, quand j'ai commencé à prendre la direction de ce projet, je me suis rendu compte à quel point il y avait beaucoup d'informations sur les approches médicamenteuses dont je n'étais pas informé et que j'ai découvert sur les sites PubMed, etc. etc. Voilà. Donc, ça commence... Il y a un petit espoir. Petit espoir, c'est toujours pareil. Quand il y a une fêlure, il faut l'agrandir hein, parce qu'elle se referme sinon. Hein, donc, il faut... Il y a vraiment... J'ai presque envie de dire... Alors, je vous parle à vous deux, mais...
Est-ce qu'il ne faut pas mettre en place une espèce de militantisme à une ouverture un peu plus importante d'esprit sur le domaine? Mais justement, que les politiques s'y mettent, que les médias aussi s'y mettent, parce qu'on connaît le rôle des médias là-dessus. Sylvain a fait une interview il n'y a pas très longtemps dans un magazine belge, tu as fait une émission de radio aussi. Toi, Arnaud, tu sors ton livre chez un éditeur qui n'est pas un sombre éditeur. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de pressing, ou en tout cas de pousser un petit peu l'information au grand public? Oui, parce qu'en France, il y a une culture qui est trop individualiste par rapport à cette dimension. Et puis, on se trouve aussi avec un écueil historique, à savoir que si on considère sur 100% des magnétiseurs, 90%, je dirais au moins, pour ne pas dire 95%, sont principalement dans l'acte de la religion. Donc, c'est intéressant ça, c'est-à-dire dans l'acte de la religion, dans la croyance, tu veux dire? Oui, dans la tradition chrétienne, à savoir je pose les mains sur les parties du corps malade, je fais des prières, et c'est le mode opératoire, c'est celui-là. Comme Jésus-Christ, quoi, en gros. C'est intéressant, voilà. On a peut-être que 5 ou 7% qui sont dans une approche plus rigoureuse, scientifique. Alors, c'est vrai que beaucoup utilisent la prière, et en même temps, ça a été étudié dans les études américaines. La prière fait partie des modalités qui sont prises en compte dans ces études. Oui, mais ça n'aide pas les scientifiques à se mettre au bout là-dessus, quoi. Sylvain, je suis d'accord avec toi, on en avait déjà parlé. C'est vrai que maintenant, imagine, quand tu arrives dans le laboratoire, tu dis, moi, je fais les prières. Ok, les prières. Comment on évalue une prière? Je reconnais, puisque j'ai parlé au début de l'émission, qu'il y avait des études aux États-Unis qui démontraient que l'intention à distance produisait des effets de santé. Ça, je ne vais pas le contester. J'ai même mis au point des expérimentations personnelles qui le démontrent de manière scientifique. Avec un thermomètre, etc. Voilà. Quand on parle de magnétisme, on parle d'imposition des mains. Il y a l'imposition des mains et il y a les soins à distance, c'est autre chose. Oui. Moi, je parle de l'imposition des mains. Les soins à distance, c'est autre chose. C'est classé d'ailleurs comme étant des soins dits spirituels. Mais est-ce que là, on parle de magnétisme? On parle de soins spirituels. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet. Attention, c'est autre chose. Dans le cadre d'expérimentation scientifique, etc., on mesure des mains sur les molécules, sur les cellules. Si on veut une reconnaissance, en tout cas, au niveau de la science telle qu'elle est faite aujourd'hui, ça ne passera que par ce moyen-là. Ah, je suis d'accord. C'est l'expérimentation. Et même si aux États-Unis, c'est reconnu, mais c'est reconnu, Sylvain, et tu le sais, à travers Thérapeutic Touch. Toucher thérapeutique. C'est mis au point par Dolores Grieger, qui, sachant que ces études-là étaient malvenues aux États-Unis, a trouvé un biais pour parler de toucher thérapeutique, parce que le toucher, c'est reconnu en France, le toucher, ça produit des effets de biologique. Et ça, ça a été son premier livre, le toucher thérapeutique. Et le deuxième, c'était quoi? Ça a été l'imposition des mains. Là, et maintenant, en fait, le toucher thérapeutique, dans leur pratique, ils ne font pas de toucher, ils font de l'imposition des mains. Donc, ils font du magnétisme, en fait. Ils font du magnétisme. Et c'est ce qui a permis la reconnaissance au niveau médical aux États-Unis. Intéressant, ça, effectivement. Voilà. C'est bon. Non, mais c'est intéressant comme données de... En tout cas, on n'est pas assez regroupés. Il faudrait, et que ce soit des soins à distance, etc., dès l'instant où ça soigne les gens, mais moi, on devrait tout prendre. Il faudrait une médecine intégrative qui soit à la fois putative, qui mesure les énergies, et non putative, même si les énergies ne sont pas mesurables. Et peu importe qu'on parle d'amour, qu'on parle de bienveillance, qu'on parle... Est-ce que la personne qui était malade est soignée? Elle est soignée? C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Mais la médecine étant dans les énergies putatives, à savoir qui se mesure, c'est la définition, qui se mesure, tout ce qui ne se mesure pas comme l'amour, la foi, la croyance, c'est pas putatif, ça ne se mesure pas, donc c'est pas scientifique. Donc un médecin qui aime son enfant, son fils par exemple, c'est un acte, moi je pourrais lui dire, c'est un acte religieux alors. Yeah. Parce que c'est pas putatif, c'est pas mesurable. Tu peux pas mesurer la somme d'amour dans ton cœur que tu as pour ton enfant. Et pourtant tu sais très bien que c'est ça qui va faire grandir ton enfant, avec des bonnes bases de sécurité. Mais puisque c'est pas mesurable, je veux dire, t'es religieux alors. Enfin. Non, mais c'est des vraies questions. Ouais. C'est des vraies questions. Moi, je me pose pas. Et à l'un et à l'autre. Voilà, à un moment donné, faut aussi prendre position. Quand on va dans un laboratoire, faut bien prendre position sur la base de l'existant. L'existant, c'est l'activité électrique au niveau des mains. Ouais. Et après, qu'on soit capable de peut-être, au niveau quantique, je rappelle que quantique, ça veut quand même dire quantifier les électrons. Ça veut dire quantifier le niveau d'énergie des électrons sur les couches de valence.
Mais on en revient toujours à l'électromagnétisme. C'est-à-dire que même si c'est à distance, on ne pourra jamais faire l'économie de l'activité de nature électromagnétique. Jamais. Un photon, il est issu d'une activité de nature électromagnétique. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais il y a des énergies, mais pas de masse. OK, mais lequel? Le photon. OK, mais il vient d'où le photon? Eh bien, il vient d'une activité de nature électromagnétique. Donc, avec des atomes, avec des quarks, des leptons, et donc, une masse qui sont mesurables. Voilà, bon, voilà. Et ça, j'ai envie de dire, c'est des discours de chapelle, au fond, on s'en fiche. Entretien passionnant. Honnêtement, c'est vrai que c'est un entretien qui a duré plus de 2 heures, mais enfin... je me suis pas ennuyé une seule minute, hein, je vous le dis. Hein, mais moi, ça me fait dire que. Tu t'endormir à un moment donné, mais en fait, non, t'étais passionné, c'est ça? Ah non, pas du tout, parce qu'en plus, c'est un domaine que je. Mais enfin, je vois que ça soulève quand même des problématiques. Oui. Des problématiques sociétales, hein, on va dire ça. Hein, absolument. Ouais. De dire, si ça produit quelque chose, pourquoi on va pas plus loin? Pourquoi on. On voit sociétal, économique. Philosophique. Parce que ça démontre, cette énergie-là démontre aussi que nous dépassons la somme de ce que nous représentons. Et que là, on n'est plus avec Lamarck, Descartes, on est dans une autre dynamique intéressante qui fait que nous ne sommes plus que la somme et qui confirme aussi tout ce qui a été combattu avec virulence avec le docteur Mesmer sur l'énergie vitale. L'énergie vitale. Qui là peut être mesurable. L'électricité, c'est mesurable en millivolts. Et pourquoi ce ne serait pas de l'énergie vitale, après tout? Puisqu'on vit grâce et par cette électricité aussi. Enlevons les cellules électriques du cœur, on meurt. Enlevons les cellules les neurones qui sont tout le système nerveux central, on parle que d'électricité. Hein. Ouais, et enlevons ça, qu'est-ce qui va rester? C'est comme si on enlève l'air, on ne pourra plus respirer. Et dans l'air, il y a quoi? Comme par hasard, des molécules électriques. Dans l'eau, on boit, on vit. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Des molécules électriques, des particules électriques. Enfin, on mange, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments? Des particules électriques. À un moment donné, si l'évidence finit pas par sauter aux yeux des scientifiques, et que s'ils considèrent que les particules électriques ne rayonnent pas, et qu'on peut mesurer ces rayonnements, honnêtement, autant abandonner la science. Quoi. Et puis, voilà, nous sommes contre eux, nous sommes cette évidence, en fait. Voilà, contre eux, et là, contre certains, hein. On est cette évidence. Comme quoi, la science a aussi ses propres croyances, et en tout cas, ses propres failles. Et que c'est bien de temps en temps que... des non-scientifiques, hein, en tout cas, de la façon dont on l'entend, des non-diplômés, puissent arriver dans le circus et dire, attendez, moi j'ai constaté ça, est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour voir s'il n'y a pas quelque chose? Voilà. Oui, alors c'est bien la différence que je fais. Je considère Arnaud comme un scientifique, il n'a peut-être pas les diplômes, mais il a toute la démarche et la rigueur scientifique pour faire les expérimentations. Donc ça qui est un petit peu dommage, cette espèce de muraille, de barrage que peut mettre la science officielle à des chercheurs bénévoles. Mais, tu vois, grâce à ton émission, par exemple, moi j'avais écrit dans mon premier livre, ce qui ne changera pas par le haut, changera par le bas. Ah de toute façon, on est bien d'accord. Bah, au sens noble du terme, l'ostéopathie a été reconnue comme ça par cette pression populaire qui a fait que ça a amené les institutions à reconnaître l'ostéopathie, ça ne s'est pas venu naturellement. Ouais. Et que tout ce qu'on fait là, ça y contribue en fait, hein. Ça y contribue. Et donc, merci pour avec grand plaisir. Nous, c'est notre code génétique. Hein. Nous, on partage des sujets qui nous intéressent. Et je vous dis franchement, que vous soyez 10, 100 ou 1 million à regarder l'émission, on la fera de la même façon, sous le terme d'entretien, de questions. Voilà, nous, c'est notre, c'est notre façon de faire, c'est notre philosophie, nous intéresser à ces choses qui ne sont pas encore clairement définies. Si vous êtes quelques-uns à vous dire, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, je vais aller creuser, je vais faire des recherches supplémentaires, on aura servi à quelque chose, effectivement. Je vous encourage vraiment à lire le livre, il y a tous les détails concernant la commission Lavoisier, les résumés de toutes les études, etc. Voilà. Alors, c'est rigolo, juste, c'est un petit clin d'œil, mais je lisais aujourd'hui, je lisais cette semaine, le nouveau Jean-Claude Bourré, Jean-Pierre Petit, recherche scientifique. Un naufrage mondial, avec cette fameuse phrase du général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc, j'y vois une certaine résonance avec tout ce qui a été dit. Voilà, et d'autant plus que pour la petite histoire, le général de Gaulle avait un magnétiseur attitré. Tu vois. Je sais que Chirac s'intéressait beaucoup au magnétisme, d'ailleurs, aussi, et que Sarkozy allait voir un énergéticien, et lorsque l'Élysée a appris ça, ça a été
un branle-bas de combat dans les médias. Il va voir un gourou, un sorcier. Ce sorcier n'est autre que le fondateur de l'ostéopathie et qui transmet l'énergie aussi par les mains et qui est très connu, qui a soigné des milliers de personnes. Et voilà, c'est pas reconnu. Le corps médical a réagi très virulemment en considérant que c'était un gourou, un sorcier. Voilà. On parle même pas de Mitterrand, hein, qui lui était un ésotériste. Voilà. Il allait très très loin dans l'ésotérisme. Je vous invite à étudier de façon topologique certaines constructions qui ont eu lieu pendant son mandat. Il y a quand même des trucs étonnants, effectivement, dont la pyramide du Louvre, en premier lieu. Effectivement. Arnaud, un grand merci pour cet entretien. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler ensemble, peut-être dans le cadre de tables rondes ou de ce type d'événement. Arnaud, alors on rappelle que tu as une école de formation qui est située où ? Alors, à Boulogne-Billancourt, voilà, en France, voilà, qui s'appelle Arc Formation, où je forme et je fais des démonstrations, où je forme les gens à des pratiques, des techniques de magnétisme pour accélérer la vitesse de cicatrisation de différents mots. Voilà. On peut s'inscrire comment sur ton site internet ? On a un site, hein, arcformationmagnétisme.fr, avec ma femme, Coralie Médier. Là, tout est expliqué, pourquoi cette démarche voilà. De formation aussi, comment ça se passe et comment utiliser cette activité électrique au niveau des mains. Ce n'est pas un don, mais on peut organiser par interaction avec les glandes hormonales, les organes, utiliser ses mains comme les électrodes pour potentialiser la vitesse des soins en fonction de chaque maladie. Et on mesure les résultats, ça divise parfois par deux, par trois la vitesse des séances. Moi, parfois, je mettais une heure à faire des soins. Là, maintenant, ça descend à 10 minutes, 15 minutes. Parce que les bons fils sont mis sur les bons fils, les bons câbles sur les bons câbles. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez approfondir le site d'Arnaud, hein, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis, si vous voulez franchir le pas, bah, effectivement, vous inscrire dans le cadre d'une formation pour toucher du doigt, c'est le cas de le dire, le phénomène. Toucher des 10 doigts. Le phénomène. Sylvain, un grand merci pour avoir animé cette émission. Tu t'en es admirablement bien sorti. Mais enfin, encore une fois, qui mieux que toi pouvait animer cette émission ? Hein ? On est bien d'accord là-dessus. Voilà, merci Pascal, c'était vraiment une grande joie. Merci beaucoup Arnaud pour toute la richesse, toutes les informations et le témoignage de direct de tes expérimentations. Ouais, merci Sylvain, merci Pascal. Arnaud, on te lâche la main. Merci Sylvain qu'on va continuer à être en contact pour un peu militer justement pour tous ces sujets-là, de manière à être fort de proposition. Hein. Comptez sur le maybe, si vous avez besoin, ce sera avec grand plaisir, absolument, effectivement. Absolument. Merci beaucoup. Arnaud, on va peut-être te laisser le mot de la fin. Peut-être un dernier message que tu veux transmettre aux spectateurs et aux auditeurs. Bon, là tu me cueilles. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci pour de m'avoir permis d'avoir un tremplin de partage d'informations. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Sylvain, parce que je vais le dire, hein, je ne veux pas déclarer. En fait, tu es ingénieur de formation, donc tu es quelqu'un de rationnel et tout en étant aussi dans tes dynamiques de cœur, d'intention. Je sais que tu soignes avec bienveillance. On partage un peu les mêmes valeurs et à ce niveau-là. Et voilà, moi, j'ai entrepris un combat au niveau scientifique pur qui me fait parfois apparaître comme un peu un être mécanique que je ne suis pas du tout. Mais j'ai dû faire ce gap-là pour pouvoir faire ces recherches. Voilà. En tout cas, merci d'offrir ce tremplin, Pascal et Sylvain. Écoute, on s'est régalé. J'espère que tous derrière votre écran aussi, vous êtes régalés, vous avez passé un bon moment en compagnie d'Arnaud et de Sylvain. On vous dit à tous à très bientôt. N'oubliez pas les petits pouces bleus pour l'algorithme YouTube, de vous abonner, la petite cloche et bien sûr Tipeee, T-I-P-E-E-E, Maybe Planet, si vous voulez nous donner un petit coup de main financier. Ciao à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.